Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Label et le Gamer, c'est l'épisode numéro 163, si j'ai bien, je suis pas sûr du tout, c'est peut-être 164, peut-être, mystère, mais ce qui est sûr c'est qu'on est le lundi 28 décembre 2020, c'est le dernier épisode de l'année, le tout dernier, bonjour Ada ben, je, me dis, je me demandais quand est-ce que tu allais me dire bonjour. Mais en fait. à la fin de mon intro, tu vois, un certain <laughs> flow, j'ai prévu mon truc. Et, je, et voilà, bonjour, Asa, comment vas-tu Salut Ben. En ben cette écoute, dernière ça semaine va. de 2020, la pire année de. Ouais, non, ce, je pense que 2020, il vaut mieux que ça se finisse dans euh, le, rapidement. Dans le top 2020 des pires années, euh, est 2020 est première. première. <laughs> Suivi de très près par l'an 4 qui était nul aussi, il paraît. <laughs> Ouais, mais c'est l'épisode du jeu de l'année. C'est le dernier épisode de l'année, du coup, c'est l'épisode du jeu de l'année. Alors donc on va se battre pendant deux heures et demie. Voilà, il faut s'attendre à un épisode un petit peu plus, un petit peu plus tranquille. C'est les vacances, c'est cool. On commence tranquille. On va se mettre sur la gueule pendant deux heures. Mais je veux dire, c'est un petit peu plus freeform. On va pas, on n'est pas calé. On a quelques news, mais franchement, il ne s'est passé rien parce que. ne se passera de toute façon. Ah si, s'il n'y avait pas Cyberpunk, il se passerait absolument rien. Oui, voilà, tout le monde est en vacances, sauf les développeurs de Cyberpunk. Si ils sont, je pense qu'il faut, il faut qu'ils prennent des vacances aussi. Ouais, mais Je pense qu'ils sont au fouet. Quoi. Non, la, la double tradition de, de cette fin d'année, c'est donc euh, l'épisode spécial jeu de l'année où nous allons élire euh, notre jeu préféré. Pas le meilleur, hein, puisqu'on n'est pas... Euh, bah, si, bah, le meilleur c est, c est dans notre, notre cœur. Voilà, dans notre cœur. C'est notre jeu préféré de l'an 2020. Mmh. Et, et la semaine prochaine, on aura, aussi un, on aura aussi un épisode, on fait ça tous les ans, euh, qui, où on va un petit peu euh, voir devant nous, essayer de voir ce qui va se passer mmh. en 2021 est-ce que cette nouvelle année nous nous, nous réserve Espérons euh, de meilleures choses. C'est mais écoute, euh, en, en faisant mes petites listes de jeux de l'année, je me suis quand même rendu compte que s... ça va un hein, jeu vidéo. Il s'est passé plein de trucs merdiques cette année, mais en jeu vidéo, ça va, ça va, ça. C'est relativement. Non, mais non, oui. Mais il, y avait, il y avait quelques jeux plutôt cool et, et on bon, va oui. en parler. Il y a eu des surprises, il y a eu des. Oui. Il y a eu pas mal de surprises en fait. Ah, ce, le classement que j'ai fait de mes dix jeux préférés, ouais. n'a rien à voir avec ce que j'aurais pensé en début d'année. Pareil. Ça n'a aucun sens. Ouais, parce que donc, euh, il y a quelques jours, tu, tu m'as demandé de faire ma liste. Voilà, tu, tu as fait l'exercice de faire ta propre jeux, liste, on en parlera tout à l'heure. Des 10 meilleurs jeux, et ouais. toi tu as fait la tienne de ton côté, donc effectivement, moi c'est pareil, il y a mm -hmm. pas mal de petits jeux euh, qui sortent de nulle part dans ma liste en fait. Ouais, des jeux qui sortent de nulle part, et puis des jeux qui, je pensais qu'ils seraient haut oh, dans le classement, qui ne le sont pas, et vice-versa quoi. C'est vrai. C'est intéressant. En tout cas, euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes euh, de fin d'année. Le c'est pas fini, hein, le réveillon arrive encore. Que vous n'êtes pas encore en prison. C'est ça, parce qu'on n'a pas le droit de se rassembler, hein, éviter. De... Non, pas pour ça. Mais te mettre pas en prison. Pourquoi vous seriez en prison? Parce qu'ils auraient tué toute leur famille. Ah ben non. non, non C'était <laughs> le thème de. des <laughs> chroniques de l'étranger. Le thème des chroniques. De thème ouais. des chroniques. Exactement. Euh, écoute, on va, on va un petit peu parler euh, des... Alors, pas de tous les jeux auxquels on a joué cette semaine, parce que déjà, on n'a pas joué à grand-chose. On euh... a beaucoup joué à Yakuza. On a énormément joué à Yakuza, et Yakuza va ressortir un petit peu dans les discussions de, de tout à l'heure. Certainement. Donc, euh, donc voilà, Yakuza, on en, on en est où On est, on est très proche de la fin. On est, à, on mm. est ce qui commence comme chapitre, étant en fait. le, le dernier chapitre. Ouais. Voilà, on est en plein milieu du dernier chapitre. Donc, euh, on a quand même vu une grosse partie du jeu. C'est un jeu qui est qui est plutôt long, hein, puisqu'on a une environ 70 heures au chrono, peut-être un peu plus. D'accord. Euh, sachant qu'on s'est fait plaisir sur les activités secondaires. Hein. Mais surtout toi. Euh, euh, <laughs> a... Alors, non. Alors là, tu non, mais... non, non. Écoute, ma <laughs> shiraza, tu peux pas. Euh... Alors les activités secondaires ont, ont une utilité très... Euh, Attends, je te mets des coups de oui, pied de, en fait. Arrête de faire du bruit, on a des micros très sensibles dans cette pièce et tu fais n'importe quoi. <laughs> euh, les activités secondaires ont, 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 ont plusieurs utilités dans ce jeu. Déjà, ça te permet d'améliorer tes personnages et de gagner des trucs, de faire de l'argent. C'est toujours utile d'être un petit peu plus puissant. Mm -hmm. Et surtout, ça me permet de, à moi de m'occuper pendant que tu dors. Exactement. Parce que, parce que, parce en que en tu t'endors fait... quand on joue. Non mais... On l'a dit, j'ai des problèmes de <laughs> d'apnée du sommeil. <laughs> Ça, oui, non, mais là, c'est de la narcolepsie. Hein, oui, bon, j'ai des problèmes de sommeil et de, de, je sais pas, de quoi, mais de quelque chose en général. Donc euh, voilà. Et, et du coup, régulièrement, euh, <laughs> régulièrement je m'endors. On commence l'histoire principale, je finis par m'endormir. Et là, heureusement que tu as des activités annexes pour ne pas avancer l'histoire pendant que je dors. Voilà, c'est ça. Comme je n'ai pas le droit de progresser l'histoire principale pendant qu'elle dort, ben, je vais faire euh, des, des, des quêtes secondaires, des activités annexes. Du karting. Voilà, donc du coup, voilà, 70 heures de jeu, mais avec la plupart des activités annexes complètement, euh, complètement faites à, à 100%. Quand même, il hein, y en a tellement des activités Alors, annexes. Il y, y en a que je n'ai pas touché. Non, mais genre le shogi, euh, le, le mahjong, tous les le jeux shogi, asiatiques, on ne comprend rien. Quoi. Exactement, leur, leur machine à sous, leur pachinko. Le pachinko, tu l'as pas trop fait. J'ai hein. si, impossible. Si bon, après, c'est vrai que pour les Occidentaux, cette partie du jeu, c'est peut-être, euh, on va dire, euh, intéressant, mais de manière mm -hmm. euh, exceptionnelle, pour ouais, les ouais. gens qui s'intéressent vraiment aux jeux asiatiques, etc. Mais, mais des activités, il y en a. Hein. C est, c est, c est, tu, tu peux y passer euh, ta vie sur ce jeu, en fait. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et j'apprécie que, moi qui suis un, un chasseur de, de trophées, de succès, de hauts faits, de tout ce que tu veux, mmh. euh, j'apprécie qu'il y ait, une, dans la version occidentale du jeu, les trophées sont un petit peu différents. C'est euh, vrai, ils sont moins hardcore. Et ils sont moins hardcore. Tu n'as pas besoin de tout faire à 100% euh, et ils laissent bien de côté les activités les plus annexes, comme justement voilà, le majong, les jeux, les jeux traditionnels asiatiques. Euh, qui, sont, qui sont pas impossibles, hein, mais, euh, mais voilà, t'es obligé d'apprendre un nouveau jeu. Euh, ouais, si tu connais pas, c'est très compliqué. C'est très difficile. Et t'as peut-être pas forcément. Enfin, moi, après, euh, tu, tu mets le même jeu avec des échecs et des conneries comme ça, ça me fait chier aussi. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est pas, pas le genre de jeu qui. Ah, mais les jeux, les jeux de plateau dans les jeux vidéo, généralement, ça, ça me saoule rapidement, que ça soit du. Bah, des... Dans la vie aussi, hein. je veux non, dire, mais... tu me mets du Mahjong dans la vie, ça me saoule aussi. Non, hein. mais pas du majongue, mais je veux dire, <laughs> que, que ça soit des Assassin's Creed des, ou des machins comme ça ou, ou, euh, où tu dois lancer des dés jouer aux cartes ou des trucs comme ça c'est jamais, ouais. jamais vraiment passionnant quoi c'est vrai donc euh, mais là voilà le donc dernier chapitre euh, plutôt plutôt satisfait du jeu mais ça encore une fois on en parlera tout à l'heure euh, yakuza aura droit à son tour de son tour de piste quand on parlera des meilleurs jeux de cette année euh, moi, je l'ai joué de mon côté à, à Stardew Valley parce que la news, c'est que le, 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 la nouvelle version de Stardew Valley est sortie, la version 1.5. Mais tu as, as joué en dehors du stream que tu as fait l'autre fois j Un petit peu, ouais, mais alors pas beaucoup. Euh, donc, en fait, si tu veux les, les nouveautés, euh, de, de, les principales nouveautés de cette mise à jour mm. euh, nécessitent un petit peu de farming à, à, avant pour y accéder. D'accord. Hein les plus grosses nouveautés sont, sont en, en fin de jeu. Même. Euh... Même ouais. si tu avais déjà maîtrisé le jeu avant enfin, Ouais, ouais, ouais. Même si tu étais à un stade du jeu où tu avais fini. Enfin, ça suffisait oui, jamais. Mais... Si tu veux, par exemple, il me faut, j'ai besoin de j'ai besoin de batterie. J'ai besoin de batterie. Et pour avoir des batteries, il faut mettre des paratonnerres dans, dans ta ferme et attendre qu'il y ait un orage. Donc là, ouais. vu que j'ai plus de batteries en stock, euh, j'ai besoin de cinq batteries. Euh, bah, tant qu'il n'y a pas d'orage, euh, il faut que j'attende un orage. Oui, mais tu aurais pu les avoir, les cinq batteries. Oui, oui. ah oui, non, non, voilà, c'est juste que moi, pas, ma sauvegarde. C'est pas, il faut farmer les nouveaux trucs qui ont été implémentés Non, non, non. non, non. C'est des trucs que t'as pas. C'est ouais. des trucs que j'ai pas forcément sous la main, tu non, vois. Non, c'est je... sûr. Il faut il faut, du... il faut 200 morceaux de bois dur. Euh, j'en ai mmh. du bois dur, j'en ai pas 200. Ouais, et ça aussi, tu es limité en nombre de bois dur que tu peux choper chaque jour. Donc euh, donc voilà, donc je vais rassembler tout ça et je vais pouvoir accéder aux trucs. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des... des choses en plus qui, qui se retrouvent à la à... Voilà, à toute fin du jeu. Euh, mmh. C'est des choses qui se déclenchent après que tu aies terminé ton centre communautaire, euh, après que tu aies tout terminé. Donc c'est vraiment des, des choses en plus, c'est une extension. Mais euh, de fin quoi. De fin. Mmh. Mais pour la première fois, c'est pas juste des fonctionnalités en plus qui, mmh. qui t'améliorent le truc, c'est réellement une extension. Et donc, euh, coup, il y a, quoi 7, à faire un... y, a, y a vraiment une zone en plus. Ah, il y a une zone de l'île. Hein. Est-ce est que c'est une zone qui a été débloquée, qui était déjà visible alors, ou Non, non, non. C'est un pas, truc qui a été. C'est complètement nouveau. Euh, ouais. En fait, si tu veux, euh, léger spoiler, donc euh, stardew valait 1.5, attention. tu, tu le, le pêcheur te confie un bateau à retaper. D'accord. Donc, pour retaper ce bateau, c'est là qu'il te faut les batteries, il te faut du bois dur, il te faut de, des, des minerais, mmh. des trucs comme ça. Et une fois que tu as retapé ce bateau, il va t'emmener sur une île. Et, et c'est une nouvelle île. Et mmh. ça, c'est une, une nouvelle zone avec, euh, avec, avec plein de nouveautés. Avec plein de nouveaux objectifs, avec plein de nouveaux gens, des nouveaux. Des, des ah, c'est un plantes. gros truc alors. C'est vraiment un gros truc. D'accord. C'est vraiment une grosse, grosse nouveauté. Et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Alors, okay. il, y a, il, y a aussi, il y a aussi plein de choses à découvrir. Hein. Il, y a, il y a des listes de, de nouveautés du patch, des, des listes sans spoilers. Mais avec plein, plein de trucs à découvrir. Mais c'est vraiment. Pour, une, pour la première fois, il y a vraiment une extension, une nouvelle mmh. zone, des nouvelles choses à faire et, et c'est cool. C'est vraiment bien pour les fans de Star Nouvellet, ça c'est sûr. C'est bien pour les fans de Star Valley parce que c'est des nouvelles choses à faire à la fin du jeu, mais c'est également des choses à faire. Euh, voilà, si tu veux recommencer une ferme, là aussi il y a nouveau, des nouveautés. Il y a un nouveau type de ferme, euh, une ferme qui se situe sur une plage. Ça, ça y était pas. Ça, ça y était pas. La ferme ouais. de la plage, ça y était pas. Parce qu'ils avaient, avaient déjà, fait une. Un plein truc type de de ou... Ouais, il y a plein de types de, y de y fermes différents. Type... Euh, et donc, donc il là, il y a, a rajouté encore. encore une, encore une. C'est la ferme de la plage qui est un petit peu différente euh, dans le sens où elle est un petit peu plus difficile. Ah. Euh, puisque sur. Bah, le... C'est sûr pour faire pousser des carottes sur le sable. Alors, pas ça évident. pousse. Ça pousse sur le sable. Le seul truc qui marche pas sur le sable, c'est les, les arroseurs automatiques. Oh non, donc euh, donc voilà es... Oh alors soit tu c'est une ferme que tu vas vite rapidement orienter sur plutôt de, des produits animaux des trucs comme ça plus facile à gérer mm -hmm. euh, soit tu arroses à la main soit tu arroses à la main donc et... c'est plus c'est plus, plus long c'est plus long c'est plus chaud quand tu as une grande ferme c'est très compliqué est-ce que tu peux faire plusieurs fermes par exemple une à la plage et une pas sur la même île pas sur la même partie quoi tu peux très bien lancer une nouvelle partie et faire un nouveau truc non dans la même partie je non, te parle non tu un... peux pas ça, tu ne peux ça, pas faire plusieurs non, faire, non. Ça, 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 tu ne peux pas. Voilà, il y, y, y a quelques petits, euh, quelques petits ajustements. Quand tu lances ta partie, tu as des options que tu peux cocher pour, euh, pour un petit peu changer, changer, la donne. Si tu connais vraiment le jeu par cœur, mmh. par exemple, tu peux changer le contenu des, 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 des colis que tu ramènes au centre communautaire pour le rénover. Ouais. Hein, tu sais pas tu, Je ne sais pas si tu te rappelles de ce non, principe de tout. jeu. Il y a un centre communautaire que tu vas rénover, et pour ça, il faut faire des cadeaux. Ah il ouais. faut amener des colis, par exemple il y a des trucs de plantation d'été. Alors il faut ramener trois euh, ou quatre euh, fruits et légumes qui poussent l'été. Ah mais c'est au fur et à mesure de l'année que tu ramènes ça. Voilà, ça tu ça ramènes, tu ah. ramènes le, truc, le truc qui te demande plein de trucs et au fur et à mesure, voilà, pour, euh, pour euh, faire la forge, il faut ramener différents minerais, il faut ramener de l'argent, il faut ramener des trucs. C'est des trucs qui sont fixes. Ouais. Et, et donc là, il, il te rajoute la possibilité de, de, modifier, de modifier, de les rendre aléatoires. Donc du coup, c'est les, les objectifs. Si tu les connaissais par cœur, ben, ils sont un petit peu différents. D'accord. Voilà. Bon, c'est des détails, mais les gens qui connaissent euh, là mm. euh, Stardew Valley commence à avoir quelques années derrière lui. Mm. Ceux qui connaissent par cœur les objectifs, ça, ça rajoute. Euh, ah oui, c'est cool. Voilà. Ça rajoute des trucs. Euh, c'est très sympa. Franchement, une très bonne mise à jour qui sort euh, pile, pile poil un an après la précédente, après la 1.4. D'accord. C'est euh, et, et toujours comme d'habitude pour Stardew Valley, c'est complètement gratuit. Oui, ça c'est bien et ça marche. Et alors, alors oui, ça marche, euh, <rire> <rire> ça marche. Il y a eu quelques bugs. Alors le, le, la gestion des bugs de Stardew Valley par euh, par son développeur, ça c'est un petit peu plus. Euh, un petit peu plus réactif que, que d'autres gros jeux dont on terre le nom mais c'était rigolo à suivre sur Twitter genre il, t envoie, il envoie un tweet en disant oui alors sur certaines versions du jeu dans certaines langues si tu fais telle action à tel moment et eh ben le jeu il va planter, faites attention je mmh. travaille sur un correctif tweet suivant 28 minutes plus tard, voilà le correctif est prêt, il est sorti, téléchargez-le <laughs> ah c'est sûr que le mec euh, il est réactif, très bien c'est sympa. En tout cas, Stardew Valley, je risque d'y rejouer un petit peu parce que j'ai envie de découvrir tout ça. Ah, ça c'est euh, sûr. Oui. En plus, c'est assez long à découvrir, donc. En as pour ouais, temps. ouais, ouais. Et ça, voilà. Et ça, c'est la, c'est la face cachée de, c'est la face visible de l'iceberg, mmh. parce que dans Stardew Valley, tu sais que quand il fait des patchs, il y a toujours plein de trucs planqués. Ouais, c'est sûr. Et donc, le temps qu'on qu découvre tout, ça va être, ça va être plutôt sympa. Euh, voilà pour, euh, voilà pour les jeux on a joué cette semaine. Comme dit entre les fêtes et Yakuza, on a pas, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Mais euh, il n'y a pas grand chose qui sort dans les semaines à venir, donc on va avoir le temps de rattraper un petit peu notre retard sur des, sur des jeux sortis récemment. Beaucoup de choses qui sont sorties cet automne. Euh, ouais, ou des jeux sortis. Ou il des y a jeux longtemps sortis il y a plus a pas longtemps. Fait, ouais, voilà, on a la liste euh, ne, ne se tarit pas. Allez, un petit peu d'actu quand même euh, pour cet épisode, c'est parti. <laughs> Alors, l'actu, comme toujours, ça va être. Les aventures euh, de CD Project. Les, les aventures euh, futuristes des CD Project Red à Night City. Voilà, bon, Cyberpunk euh, toujours au devant, sur le devant de la scène. Et. Alors, on en est où Alors, on en est où Alors, déjà, euh, Cyberpunk 2077 est un succès euh, commercial. Ça, c'est mmh. clair et net. Oui, mais c'est basé Donc, sur une arnaque. C'est un succès commercial. Le jeu a vendu euh, 13 millions d'exemplaires pendant ces 10 premiers jours, euh, en comptant les remboursements. D'accord. Voilà. Donc, malgré, malgré ben, un certain après, nombre de, quand de, de remboursés. quand tu l'as, tu te dis, je ne vais pas me le faire rembourser ils vont bien l'améliorer à un moment ou à un autre. C'est ce que tout le monde. Tous les gens qui l'ont acheté sur console se disent, ben, je le garde. Il y a de beaucoup de gens façon, qui vont le garder. Il y, aura un, il y aura bien un patch, le jeu va bien finir par fonctionner ouais, ouais. correctement à un moment donné. Et, 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 et ça sera peut-être un super jeu s'ils arrivent à. à peut-être dans mm -hmm. quelques mois, voire quelques années tout mettre dans le jeu, mettre tout en place qu'ils avaient prévu de mettre non, non, en je place suis, au départ. Hein. Je suis d'accord. Je suis, je suis, je suis Donc les gens vont pas se faire rembourser finalement. A... Voilà, ça fait beaucoup de bruit, mais je, je, suis, je serais curieux de savoir combien il y a de gens qui se font effectivement rembourser le ouais, jeu. je pense qu'il en Entre hein. d'autres qui, qui vont essayer de laisser la chance au jeu et soit le finir malgré les bugs mm -hmm. parce que c'est possible, euh, même si l'expérience peut être euh, un, petit peu, un petit peu biaisée. Oui, j'imagine que c'est possible. Soit, soit attendre, hein, euh, soit attendre et, et garder le jeu sous le coude. Euh, mm. C'est euh, tout à fait possible. Moi, moi c'est vrai que mon, mon plan, c'était de revendre mon exemplaire euh, PlayStation euh, et de garder que, le, que la version PC. Mais, euh, ouais, ce, mais nous, du coup, ce qui se passe. Dire, cette version PlayStation devient tellement collector que non, est euh, je, il n'est pas question que je m'en sépare. <laughs> euh, je veux ce disque tout pourri et le réinstaller sur ma PS4 de base de temps en temps pour rigoler. C'est Et pas mettre de patch. Voilà, tu vois, je veux vraiment ce disque. Euh, ce... <laughs> Ce disque <laughs> qui va devenir collector un jour, je pense. Et, et du coup. Euh... Euh, parce que c'est un succès commercial en soi, mais l'entreprise le, mmh. le, a perdu énormément de valeur euh, en actions. Oui, alors ça c'est autre chose. Moi je te parle vraiment des, des exemplaires vendus. et justement... Non mais je sais, mais du coup ça contrebalance quand même. Euh... Ça, voilà, et, et c'est pour lutter contre ça qu'ils que, qu font ce type d'annonce. C'est-à-dire que c'est pour rassurer les investisseurs en disant, oui, bon, je, on sait que c'est la merde, mais, on, mais a quand vendu, même on en a vendu plein. On en a vendu 13, 13 millions, il y a du cash qui rentre, la société a de la valeur, arrêtez de vendre vos actions, euh, ça, ça va bien se passer. Mais, la société a de la valeur. Euh, bof, parce mmh. que les trucs qui ont été achetés, ça a été acheté sur de la publicité presque mensongère, on va dire. Mmh. Et par contre, moi, je suis convaincu que le prochain jeu de CD Projekt, t'en fais pas, que ça va pas faire autant de ventes. Hein. Les, les gens, ils vont attendre de savoir... Euh, Écoute, on verra, mais il va se passer tellement d'années que... même. Je, je suis persuadé que les gens, mmh. ils vont quand même pas... Moins se jeter dessus que sur Cyberpunk, ça c'est sûr et Écoute, certain. Écoute, on verra. En tout cas, c'est pas. Hum, 13 millions, c'est un, un très très gros chiffre. Hein, c'est une, oui. une des meilleures ventes de, de, de l'année, peut-être la meilleure vente de l'année. Je... C'est la meilleure, non Alors, c'était la meilleure, la, la meilleure première semaine sur PC. Euh, ouais. voilà. C'est sûr que si tu prends des, des, des petites démographies comme ça, tu vas, tu vas toujours battre des records. Ouais. Mais globalement, je sais pas si c'est la meilleure vente de l'année. Animal Crossing avait fait des chiffres délirants aussi. Mmh. Je ne sais pas si c'était, je me rappelle plus euh, de, de l'ordre de grandeur. Euh, C'est pas un record ultime en tout cas, puisque Red Dead Redemption 2 avait fait 17 millions, mmh. euh, donc euh, contre 13 en 8 jours seulement, contre 10. Red Dead étant sorti que sur console. Oh, pour un jeu qui, qui était disponible que sur console, donc euh, voilà. Et Red Dead avait fait moins que GTA 5. Mmh. qui pourtant qui était une génération avant hein. euh, donc voilà c'est des bons scores c'est pas non plus les, les, les records internationaux euh, bah après qui... s'ils avaient sorti un bon jeu je pense qu'ils auraient fait des records hein. c'est possible parce qu'après les gens auraient continué à acheter pour c'est possible c'est possible mais ça on, on le on le saura jamais c'est raté. Ouais, ouais, ouais. non, ça fait, ça fait des rec... Et puis après, comme dit, sur, sur PC, ça, même s'il y, y a des gros bugs, le jeu est nettement plus jouable sur console. Il y a des gens, il y a des gens qui sont très satisfaits, de, je, on le dit jamais assez, euh, il y a des gens qui sont très satisfaits de Cyberpunk. Euh, il est... Oui, mais quand. Euh... Malgré le fait qu'il soit correct et jouable sur PC, etc., c'est pas le jeu exceptionnel auquel on s'attendait, quoi qu'il en soit. Ouais. Euh, rien que par le fait que. Qu'il n'y pas le système de, de, de réputation de gang, etc. Et non, il y a plein de. Ce genre de trucs. Il y a un manque de profondeur qui est. Il y a un manque de profondeur qui, je pense, était, était prévu au départ et qui n'a pas pu être mis ah, en ouais. place dans le jeu. Donc, donc même s'il y a des gens qui sont satisfaits, je pense que le jeu a, a, aurait dû être ouais, bien y a, meilleur que ça. Il hein. y a un manque de profondeur, et, mais par contre, il voilà, y a aussi des moments de brillance dans l'histoire dans, dans principale. Mais c'est vrai. Ben après, c'est. Malheureusement, le problème des moments de brillance, c'est que t'as tellement autre, cho autre chose qui te gâche autour que mmh. t'as plus envie d'aller les chercher, en fait. C'est ouais, ouais. ça le problème. Euh, on continue sur les news de Cyberpunk. Mmh. Euh, alors, les, les investisseurs euh, commencent à réfléchir à faire, à faire des procès contre ces projets. C'est normal. Euh, Basé sur le fait que euh, voilà le cours de l'action euh, a, été, a été influencé par des informations diffusées par ces projets sur la qualité du jeu, sur les Exactement. promesses, sur des trucs mmh. et sur des choses qui ne sont, sont pas livrées au final. C'est ça. Euh, et, et, et une qualité de produit qui a. Hum, a engendré entre autres l'arrêt la, de la vente sur euh, sur la boutique numérique de PlayStation. Ça. Donc voilà c'est ah non là là Sony c'est compliqué ils les ont vraiment en, en fait ce qu'ils ont fait Sony de on va dire de de dire que leur jeu n'est pas correct et n'est pas assez mmh. correct pour être vendu sur leur console ça, ça les défonce quand même ouais. au niveau de, 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 du montant de l'action, en fait. Parce ouais. que ça veut vraiment dire, vous avez fait un truc qui n'aurait pas, pas dû être fait, quoi, tu vois. Ouais. Donc... Les, 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 scores, euh, les scores du jeu sur, sur Metacritic sont intéressants aujourd'hui, maintenant que les choses se sont un petit peu tassées. Mm -hmm. euh, C'est un jeu qui a, dans sa version PC, une moyenne de, de 87. Oh, faut pas euh, déconner. Est... Ils sont ah, gentils, les gens qui ont une moyenne de c'est une moyenne de 87 sur sa version PC uniquement ouais. euh, 87 qui est oh, c'est bof quoi voilà. c'est bof mais moi j'aurais été, été plus méchante que 80... ça oui hein. non mais attends c'est oui mais toi toi tu mets deux à tous les jeux non c'est pas vrai non 87 c'est c'est une, une note correcte mais c'est pas c'est pas dans les loin, d loin des top c'est loin des tops. c'est loin des un c'est un bon jeu c'est un bon jeu sans plus. Et c'est mmh. ce que les c'est pas ce que les investisseurs attendaient. C'est pas c'est pas ça qu'on pas ça qu'on leur a promis. Mmh. Donc parce que c'est un 87 sur la version PC. Mmh. Euh, si tu vas ensuite sur les versions sur les tests qui concernent spécifiquement les versions PS4 et Xbox One, cette moyenne tombe à 55. Oui, là là par contre c'est un mauvais jeu. Voilà. Le 55, 55 c'est chaud quoi. En, en, généralement en dessous de 75, <laughs> faut vraiment être sûr que c'est ce que tu veux. Euh, Ouais, voilà. Il ouais, faut se, se poser des questions. Craint, ouais, ouais. Craint, craint, non, non, il y a des bons jeux en dessous de 75, mais c ça commence à rentrer dans des niches. Ils vont vraiment être amateurs mmh. du genre pour... Euh, voilà, mais 55, tu, tu sais que c'est un problème. Ah, c'est pas beau, oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain. Bon, en tout cas, on va, on va suivre euh, ces, ces affaires. Après, les, les, nouveaux, bugs, euh, les nouveaux bugs se, se découvrent et s'enchaînent et sont corrigés au fur et à mesure. Ah, il y en non. a encore des nouveaux. Ah oui, on en découvre toujours <laughs> des nouveaux. Euh, un bug spécifique qui concerne les, la version PC euh, du jeu. Euh, alors, ça a été patché depuis, donc on va... Mais bon, c est, c est, ah, on peut se moquer, c'est drôle. Rigolo. Euh, à un moment donné, il fallait bien surveiller la taille, la taille de ta sauvegarde. Parce que plus tu fabriques d'objets, plus tu, tu loots des objets, machin, plus ton inventaire est plein, euh, plus ta sauvegarde bah, du coup, euh, va grossir. Mmh. Et si jamais elle dépasse euh, 8 mégas, c'est pas grand chose, hein, mais si jamais elle dépasse 8 mégas, et la sauvegarde est corrompue, elle est complètement flinguée, tu peux recommencer le jeu. Ah d'accord, donc si t'as trop de trucs dans ton inventaire, ça sauvegarde quand tu sauvegardes, ça te, ça te défonce ton jeu, il faut que tu recommences du début. C'est ça. Ouais, pas mal quand même. Hein. Donc ça a été patché, ça le fait plus, euh, mais si votre sauvegarde est corrompue, par contre c'est foiré, euh, oh, elle est, elle oh, est putain, irrécupérable. Mais, mais c'est. C'est pas des petits bugs, hein. c'est incroyable quand même. Alors, c'est à la fois pas des petits bugs, mais pas des gros non plus, parce que c'est. Ah, euh... Ça concerne ça concerne mais... quand même des cas extrêmes. Euh, il faut vraiment être euh, l'auteur compulsif. et euh... Euh, Attends. Et donc, oui, ça nous aurait touché nous. On est d'accord, <laughs> ça nous aurait touché nous. Et je veux dire, en fait, si tu veux, quand tu dis c'est des cas extrêmes et ça arrive pas à tout le monde, etc., ok, très bien. Mais celui à qui ça arrive. Ah, il est content. Il faut qu'il recommence le jeu du début alors qu'il a payé 70 euros quand ouais, même. Ouais. Tu vois Il faut qu'il recommence du début. En plus, si c'est un looter compulsif, il doit passer du temps à jouer, à looter, etc. Donc recommencer du début, ça, ça doit être une catastrophe pour ce mec-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, moi, je pense à lui, ça me fait de la peine. <laughs> c'est ça, c'est ça. Parce que si le mec il a looté suffisamment pour euh, foirer sa sauvegarde, c'est que le jeu, il, il lui plaisait, tu vois. C'est qu'il jouait bien, quoi. Oui, ou qu'il a une façon de jouer qui est, qui est compulsive un peu. Donc, euh, bon, mais voilà, après, voilà. le truc... Si c'est horrible la plupart des joueurs pc, la plupart des joueurs même sur console gardent plusieurs sauvegardes. Euh, je veux dire si tu commences à avoir des sauvegardes euh, corrompues, bah, tu peux récupérer des sauvegardes plus anciennes et commencer à faire le ménage quoi. Je oui, j'espère. Mais bon, c'est vrai que c'est... Ça, 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 voilà, hein. ça, ça fait plaisir, C'est surtout rigolo. Je veux dire, là, là maintenant, dès qu'il y a un gros bug, c'est hyper... Moi, ah bah, tiens, là. justement, moi, je me rappelle le jour où Witcher 3 avait planté. Et ouais. ça, ça, ça me l'a fait, sur Witcher 3, trois ans après sa sortie. Hein, ouais, c'est ouais. un peu des spécialistes, mm -hmm. c'est des projects. Ouais, non, c'est... Euh, quand ça me l'avait fait, euh, j'avais pas sauvegardé depuis super longtemps, parce qu'il faut sauvegarder ouais. manuellement sur Witcher. Ouais, ouais. Et j'avais pas sauvegardé depuis super longtemps et le jeu avait planté. J'avais oui, perdu, mais ouais. euh, ça m'avait saoulé. J'avais arrêté, j'avais repris vachement longtemps après parce que ouais. parce que j'avais des heures et des heures de progression et ça m'avait dégoûté littéralement quoi. Ouais. ouais Donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Bah, non, c'est des choses qui devraient pas arriver. On est d'accord. Devraient pas arriver, mais qui arrivent. Oui. Mais ouais, ouais. Voilà. C'est comme ça. <laughs> Euh, alors, autre, on, on va laisser un petit peu Cyberpunk derrière nous, ouais, euh, on Voilà, on en reparlera en 2021. Ou en 2022. Ou en 2000, quand ils l'auront fini. Donc oui, voilà, début, quand ils l'auront fini. En hein. 2027. Euh, <laughs> la PS5 a eu, a eu un petit changement sur son interface. Son interface, c'est un petit peu le, le plus gros... Point noir pas c'est pas un gros point noir, hein, mais c'est un des sujets de critique, en tout cas, de, de ma part. De ta part. de, notre oui. part de sur Oh un, non, je pour une que... fois... Oh non, hein non, de Pour ma une part. fois, j'ai rien dit. <laughs> voilà, je suis pas très content de l'interface, je la trouve pas non, claire. Non, mais tu as raison, euh, je suis voilà. d'accord avec toi. Et visiblement, Sony est d'accord avec moi, puisqu'ils ont rajouté un, un avertissement maintenant. Quand tu lances euh... <laughs> Attention, cette interface, c'est de la merde. <laughs> Non non quand tu lances une version sur ta PS5 quand tu lances la version PS4 d'un jeu mmh. il te dit ouh là là tu es sûr que tu veux lancer la version PS4 t'as la version PS5 qui est juste là euh, voilà donc il te le dit bien en avance parce que bon il y a eu des histoires de joueurs de Call of Duty qui ont joué des heures et des heures sur la version PS4 sans si s'en rendre compte euh... là aussi ça fait pas plaisir hein. ça fait pas plaisir hein. Surtout non, mais quand la... t'es un gros joueur de Call of Duty tu dois pas être content hein. ouais. bah, là récemment j'en ai, ai fait euh... J'en ai fait les frais, tu vois, par exemple, j'ai téléchargé sur, euh, sur notre PS5 euh, Immortals Phoenix Rising, qu'on n'a pas encore testé. Ah non, on n'a pas encore testé. Pas encore vrai. testé, ça va venir, mais par contre, il est téléchargé, installé, tout va bien. Et au moment de télécharger, j'ai eu ce choix euh, entre Immortals Phoenix Rising, entre parenthèses, version PlayStation 4, mm -hmm. et Immortals Phoenix Rising, entre parenthèses, version PS5. Bien séparé. Sauf que euh, dans la petite case de l'interface, ça ne rentre pas. Donc tu as le choix entre Immortals Phoenix Rising version 3 petits points et Immortals Phoenix Rising version 3 petits points. Exactement. <laughs> Donc euh, voilà. Oui, c'était ça, ça le gros problème c'est que la phrase ne va pas jusqu'au bout parce que l'interface est horizontale. Donc il faut faire <laughs> super gaffe. Mais si tu laisses ton curseur dessus suffisamment longtemps, ça défile. Alors tu peux bien voir le truc. Mais voilà, faut il faire, faut faire attention. Faut Faire attention, c'est pas, pas c'est pas instinctif, c'est pas, pas top. Quoi. Ça, pourrait être, ça pourrait être beaucoup plus clair quoi. Mm -hmm. C'est mais bon, on, on, on testera ça. Voilà, écoute, euh, voilà pour euh, l'actualité. Voilà D'accord. Je te ouais non il s'est a... vraiment rien passé. Non mais vas-y, jeu de l'année, on est chaud là. Ah bah, c'est parti pour le jeu de l'année. Euh, j'ai j'ai pas de jingle de jeu de l'année, on va faire celui-là. Non, ça mets, fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Soon en fait. Il va bien, tu crois bah, Il est chez Boston Uprising maintenant. Je pense ah oui, c'est pour une nouvelle équipe, euh, notre ami Soon. Ouais, on ne parle plus trop d'Overwatch, mais c'est bon, c'est l'intersaison. Ouais. Mais notre ami Soon euh, n'est plus euh, à Paris, il est maintenant euh, à Boston. Oui, parce euh... qu'à Paris, ils ont viré tous les Français. Hein. Oui, mais tu... Ils ont dit bon, c'est bon! Cassez-vous, peu... c'est nul! Ça a été un petit peu le thème. Hein. Ils ont viré... Toutes les équipes ont viré les équipes tous ont joueurs. Ont viré tout le monde joueurs. Mais... C'est un gros reset qui arrive là. À mais Paris Eternal, ils ont gardé les Coréens, ils ont viré tous les Français, je crois. Hein. Et quelques Coréens aussi. Quelques Coréens aussi. Ouais, ouais. non, non, c'est vraiment une remise à zéro complète. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Donc, le... voilà, on va essayer de décider euh, quel, est, quel le... est notre jeu préféré. Quel est le meilleur jeu de l'année 2020? Euh, c'est. Donc, c'est Stardou Valley. Voilà, merci non, à, pas Valley. à la semaine prochaine pour un oui. nouvel épisode. Non, c'est pas Stardou Valley. C'est pas Stardew Valley. Star... Pas Stardew Valley. On, on va essayer de faire les choses bien. Déjà, on va se fixer des règles. Oh non, des règles, c'est quoi Genre, je te, je te frappe pas pendant que, Alors, pendant pas que, de, que tu expliques Alors, pas de violence. Pas de Voilà, exactement. Pas de violence. Pas de violence. Non, non. non. Moi, je, moi, je veux une règle, c'est pas de violence et aussi, euh, il faut pas que... Parce que je sais que dans ma liste, il y a des jeux auxquels tu n'as pas joué et qui sont très hauts dans ma liste. Oui, et vice-versa. Et vice-versa. Donc, euh, il, il va falloir qu'on ait une tolérance l'un envers l'autre. Déjà, et c'est pour, pour ça que je t'ai demandé <laughs> de faire ta liste indépendante ouais. et la mienne. Comme ça, on a nos listes et puis on ouais. va voir on, 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 on va voir ça. Non, mais voilà, on va aussi se limiter dans nos listes aux jeux qui sont sortis en 2020. Parce qu'on a, a joué des, à des jeux qui, qui sont plus anciens aussi. Ah, euh, On va se limiter aux jeux qui sont sortis en 2020. C'est le meilleur jeu de 2020. C'est comme ça. Euh... Mais du coup, moi, c'est bon, ma liste. Donc, ouais, ouais, ta liste, elle est... Mon elle est cool. Poupie est là, euh... elle est elle aussi. Hein, son elle jeu a fait pr... sa liste aussi. Son... Elle a fait sa liste, son jeu préféré. Okay, euh... C'est de chier partout. Euh, c'est ce qu'elle <laughs> ce qu a fait de mieux en 2020. Euh, c son jeu préféré, c'est Animal Crossing. Non, parce que voilà, justement, la, meilleure, la, la première catégorie de, de ce jeu de l'année 2020, c'est le meilleur jeu de pas 2020. Donc, euh, on, va, on va regarder les jeux auxquels, on, les, les auxquels jeux, on a joué en 2020. Auxquels on a joué à, en 2020. ne sont pas de 2020. Mais qui ne sont pas sortis en 2020. Euh, ça, c'est des jeux auxquels on a passé Allez. pas mal de temps cette année. Et puis, tu fais n'importe quoi. Et qu'on a, qu a terminé tous, d'ailleurs, ce, quasiment euh, cette année. Donc, euh, ma petite liste que j'ai prévue, mes petits nominés par ordre alphabétique euh, Call of Duty Modern Warfare. C'est le Call of Duty de l'année dernière. Je sais que tu as. Cette Je ne me rappelle plus. On l'a fait cette année. Euh, Children euh, oui, of Morta. Rappelle. Ah oui! Tu as beaucoup joué à Children of Morta. Ça, voilà, ça c'est un jeu spécial, <laughs> hasard. Euh, Final Fantasy XIV. Ouais, non, mais ça, c'est un MMO, Ben. un euh, jeu massivement tu tu... joué. Non, attends. Tu m'as interdit l'année dernière, et même pour le jeu de la décennie, de dire World of Warcraft. Donc, euh, au parce Final Fantasy XIV, je mets mon veto. Je suis désolé. Mais parce que World of Warcraft n'était pas de cette décennie. C'est aussi simple que ça. Mais Final Fantasy XIV, c'est pas de cette année non plus, si on va par là. Ben non, mais c'est pour ça qu'il est dans le jeu de pas cette année. Ah oui, mais là, c'est pas cette année, pas cette année, hein. Ben, ben oui, mais c'est comme ça. <laughs> c'est le non but mais... de cette catégorie. J'en peux plus. Le... Tu fais vraiment comme tu veux, toi. Hein Shadow of the Tomb Raider, mm -hmm. euh, Stardew Valley, mm -hmm. hein, Trials of Mana, mm -hmm. West of Dead mm -hmm. et Yakuza 6. Mm -hmm. Children of Mortar. Bah écoute, euh, je suis content qu'on ait plein de débats. Hein. <laughs> Final Fantasy 14 évidemment, ça n'a rien à voir avec le reste, on est d'accord. Bah voilà, mais il faut le dire, arrête de cracher sur le truc. moi arrête pour de, moi, de le mettre hors compétition pour, pour moi, des raisons obscures. Hors compétition, c'est un MMO, Et ça n'a rien à voir avec le reste. Et alors Bref, bon, bah, FF14 si tu veux, mais <laughs> mais en jeu en jeu normaux, je of Mortal. <laughs> en jeu normaux, tu vois, bon. Qui... Voilà, moi, c'est sans, sans hésiter. Euh, c'est Final Fantasy XIV, c'est un jeu. Alors, on va quand même remettre les choses dans le contexte pour les auditeurs qui n'ont pas suivi assidûment tous les épisodes de la belle gamer. Mm -hmm. euh, Final Fantasy XIV, c'est un jeu, c'est un jeu massivement multijoueur, donc il y a quelques, quelques années maintenant, une bonne, une bonne dizaine d'années, hein. euh, mais, mais qu'on a vraiment euh, réellement toi et moi découvert cette année. Oui. Hein, on s'y est mis en tout début d'année, en janvier ou en février. Euh, si, si, je te je me le dis. Rappelle plus. Et, et on, a, on a beaucoup joué. Moi, moi, plus que toi, quand même. Toi, tu as décroché au bout d'un moment. Oui. Euh... Non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, j'aimerais je, je, bien continuer à jouer, mais, mais, mais on, peut <laughs> on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Non, c'est vrai que bon, moi, je continue je continue un petit peu à, à mon rythme. Hein. Je progresse au fil des extensions. Euh, j'ai pour but, j'ai pour objectif, et je pense que je vais j'ai pour objectif d'être à jour euh, quand la prochaine extension sortira. D'accord. C'est une extension okay. qui devrait annoncer en février, mais euh, d'ici là, je devrais être à jour. Je suis, je suis juste avant la, juste avant Shadowbringers, juste avant la, la toute dernière extension. D'accord. Donc, euh, je commence à bien progressé mais c'est un jeu vraiment qui m'a toute l'année qui m'a qui m'a étonné euh, sur, non, euh, sur, bien, sur sa qualité sûr, sur, euh, sur ses idées justement euh, tu dis ouais c'est un MMO c'est un MMO mais justement c'est un MMO ah, ça n'a rien MMO à voir avec World of Warcraft évidemment voilà qui a, qu a tellement tellement de bonnes idées par rapport à World of Warcraft bien qui patine et qui s'embourbe dans des idées euh, complètement vieillotes il euh, y a... Y a L'autre truc qui m'a impressionné de Final Fantasy XIV par rapport, euh, par rapport à un truc comme World of Warcraft, un autre MMO sur lequel on a passé énormément de temps, c'est la qualité de la communauté. Alors, ça, je ne sais pas comment tu fais pour avoir une, une communauté euh, aussi. Alors, j'ai l'impression quand même que FF 14 est vachement moins compétitif que World of Warcraft. Hein. Euh, alors... Que ce soit dans la structure du jeu et dans la communauté, parce que du coup, euh, quand même. Euh... Ce qui fait la, la force de Warcraft, ça va être euh, l'équilibrage des classes et le, ouais, ouais, ouais. le le gameplay de ta classe en fait. Et, mm -hmm. et ils vont mettre un peu plus de côté euh, l'originalité des quêtes, l'histoire ou en tout cas voilà. Warcraft, ils vont quand même beaucoup jouer sur les mécaniques de gameplay euh, PVE, PvP, euh, les raids, ouais, machin, ouais. les donjons, euh, choses qui est, je trouve que Final Fantasy XIV privilégie vachement plus l'histoire. Alors après, je sais. Alors tu as pas fait beaucoup de donjons et beaucoup de raids aussi hein, dans Final Fantasy XIV. Donc tu... ben non, je sais, mais du coup, est-ce que est que un niveau max, oui. il y a beaucoup de, il y a c'est ah, très absolument. compétitif Final voilà. Fantasy XIV ah, niveau max tu, tu as, tu as les raids, tu as des raids avec plusieurs niveaux de difficulté. Tu as, voilà, tu. Oui, mais je veux dire, est-ce est qu'il y a des guildes et tout comme dans mais, Warcraft Mais clairement, clairement, évidemment, évidemment. Ah ouais bah je oui. sais pas moi, écoute... Euh... Oui, non mais t'es pas, pas au niveau max, donc c'est quelque chose que tu fréquentes pas, mais... Euh, non mais je veux mais, dire, mais on entend fait, moins hein. parler quand même. Encore en une fois, je sais pas, hein. encore une fois, c est, c est, c est, c est, tu, tu te fais ton cercle d'informations en, en, en passant beaucoup de temps sur les sites spécialisés de ouais, World of Warcraft ouais. ou des trucs comme ça, mmh. mais, mais, mais Final Fantasy XIV a des communautés extrêmement euh, compétitives aussi. Hardcore. Hardcore, voilà, alors peut-être le... le Peut-être qu'il y a des joueurs hardcore de Final Fantasy XIV qui vont m'arrêter, mais le truc qui a moins de... Pour moi, euh, moins d'ampleur sur FF14 par rapport à World of Warcraft, c'est le, le PVP. PVP. Le PVP existe dans Final Fantasy XIV, Ça mais il, il est vraiment moins, moins, développé, moins développé que. Développé, ouais. Mais euh, et effectivement, les, la communauté est, la est incroyable. La fait. communauté est incroyable, je veux dire... Qu Quand tu sors de Warcraft, ou dès que tu fais un pas de travers, tu te fais insulter par tous les mecs dans ton groupe... Et virer euh, du groupe, hein Et virer du groupe comme une, comme la dernière des merdes... Euh, voilà, ouais, et si, tu, si tu réponds pas aux, aux, aux idéaux de performance... Euh, de, de, voilà... Quand tu fais un groupe aléatoire pour faire un donjon, il faut absolument que ça soit fait en moins de 3 minutes et que tu sprints sur le truc. Et si jamais tu es en retard d'un de demi-truc parce que tu connais pas ou parce que tu. Voilà. Oui, oui c'est ça. Tu, tu te fais insulter, tu te fais virer, tu te fais machin. Alors que dans, dans Final Fantasy XIV. Non, 14, ils sont super gentils. Pas... Y a, y a, ça n'a pas du tout. Euh, la communauté est très différente dans FF14. Les gens. Bon, ça arrive, hein, tu peux toujours tomber mmh. sur des gens qui ne sont pas sympathiques, mais, mais généralement, les gens t'aident, se parlent, etc. Quand il y a un wipe, euh, ils t'expliquent. Oui, euh... oui. Ouais. Alors que Warcraft, ton groupe wipe, c'est fini. Tu es sûr que tout le monde s'en va. Ouais, ouais. Non, c'est. important. Ah, clairement, ça n'a rien à voir. C'est important et c'est agréable de jouer avec d'autres joueurs et que ça soit vraiment une expérience positive. C'est ça. C'est rare dans les MMO, c'est rare dans les jeux multijoueurs en général. C'est vrai. Et c'est dommage. Oui, complètement. C'est dommage. Euh, voilà, euh, voilà, pour cette catégorie. Euh, alors on avait mis aussi, il y a des jeux auxquels il euh, y a des jeux comme euh, West of Dead. Tu, tu, tu de, joues beaucoup, pas mal de mais... temps, mais tu mais tu y joues d'orage quoi. <laughs> je veux dire, tu pas Non, mais c'est le, euh... le genre de jeu. Euh, L'idée est super. Le jeu pourrait être super s'il était fini un peu plus correctement. Pareil. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il manque pas grand chose, mais je sais pas pourquoi. il... Je ne comprends pas pourquoi ils ne finissent pas ce jeu en fait. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils ne corrigent pas les, les quelques problèmes qu'il y a parce que ça me paraît pas fou quand même. Mm -hmm. Et des problèmes qui te gâchent complètement le, le, le jeu et je ne comprends pas pourquoi c'est pas... Ouais, fun. ça manque de précision, ça manque de... Ouais. J'ai du mal à comprendre. Dommage. Par contre, dans le même genre, Children of Morta, tu avais passé pas mal de temps bien. et ça t'avait plu. Ouais. Hein. Tu l'avais fini. Hein. Ouais, ouais. ouais. j'ai fini, c'était très bien Children of Morta, c'était... C'est quand même, 2020, c'est un petit peu l'année où tu t'es mis au, 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 au roguelike, au, oui. au rogue -like mm. un petit peu, avec un petit peu, de, tu l'as pas fini, mais t'as joué un petit peu à Hades aussi. Ah oui, non, mais Hades, je l'ai pas fini, parce que c'est trop dur, mais... Oh yeah, mais <laughs> mais c'est comme tout, ils sont tous super durs, mais quand tu passes du temps, tu finis par t'améliorer. Ouais, complètement. Hein. Ouais. Non, ouais. non, Shinron très... euh... of Morta, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Vraiment. On... On avait aussi apprécié un petit peu, cette année, uh, Trials of Mana. C'était plutôt sympa comme jeu. Ouais, tu avais dit que ça t'avait saoulé, toi, quand même. Ouais, mais écoute, on l'a fini avec plaisir. Euh... Ouais, t'étais ouais, pas super satisfait, quand même. Hein. Ouais, mais bon, écoute, c'était sympa, quand même. Hein. Oui, bah oui, mais bon, après. Non, non, mais je dirais qu'il est dans la liste. C'était pour, un... ouais. pour en parler un peu. Euh... Après, <laughs> si tu veux, on arrête. Hein. Non, mais. <laughs> non, non, mais oui, oui c'est vrai. Trials of Mana, c'était. Est-ce que tu veux aussi euh, faire un petit mot sur, sur Yakuza 6, ce qu'on a fait cette année Ça, on l'avait fait en début d'année. Euh, ouais, bah, dernière, aventure 6 de, de cool, dernière aventure de Kiryu. Dernière aventure de Kiryu. C'est vrai qu'en en, en le, en le comparant à. Il est peut-être un Yakuza, peu en dessous de. de Yakuza de, 7. Voilà, il est un peu en dessous Yakuza 0 et Yakuza 7. Mmh, mmh. Yakuza 6, c'est pas forcément le meilleur. Non. Euh, mais... L'histoire était, était étrange. J'étais un petit peu tiré par les cheveux. Bah, euh... Et puis ça met du temps à démarrer en fait, et puis il mmh. y a cette histoire de bébé au milieu euh, qui est trop bizarre, qui te. finalement qui t'empêche de faire euh, des trucs normaux de yakuza quoi, et, et du coup c'est un peu chiant au début, et puis l'histoire met du temps à venir, et puis après finalement ça vient et c'est un peu compliqué, et bref. Ouais, c'est. Oui, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un, un peu bizarre. voilà ouais. Euh, alors que, alors que Yakuza 7 et la, la Dragon a une histoire un petit peu plus, qui est aussi, qui bon, c'est une histoire à la Yakuza, hein, ouais, mais, 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 aussi, mais, elle a mais un peu plus de logique quoi. Ouais complètement. Ouais. Un peu plus mmh. de logique. Mais bon, il y avait des, il y avait des thèmes abordés dans Yakuza 6 qui étaient qui étaient sympas sur, euh, sur les. les... Tout ce qui se passe autour de l'immigration chinoise clandestine, et trucs comme ça. C'était intéressant. Oui, ça, c'était intéressant. C'était vrai. vraiment intéressant mmh. de découvrir ce, ce. Il y a toujours des trucs là. intéressants dans les Yakuza, mmh. hein, quoi qu'il arrive. Et après, Yakuza 6, on dit que c'était un peu en dessous euh, sur des jeux qui sont exceptionnels. Hein, donc, oui, voilà. C'est. Euh, la voilà. comparaison est difficile. <laughs> c'est vachement difficile. bien, mais un peu en dessous des euh, autres. Euh, ouais. <laughs> mais c'est vrai que, voilà, dans, dans, dans les jeux auxquels on a joué de, de, de la mmh. série, même de Judgment, qui était, mmh. qui Judgement qui était, était vachement sympa. Voilà. Donc, euh, allez, c'est retenu meilleur jeu de pas 2020. Euh, ça, va être, ça va être Final Fantasy 14. Euh, alors, j'ai ressorti, ressorti un petit peu les, les, les notes que j'avais prises euh, quand on avait fait le même épisode l'année dernière. Ouais. Quand on avait fait le jeu de l'année 2019. Et on avait fait une liste intéressante. On avait fait, <laughs> Aza, tu sais ce qui va venir. Je sais hein, ce qui, hein, va, venir, tu sais oui. ce qui <laughs> va venir. On avait fait euh, la, la liste des jeux de 2019 qu'on n'a pas eu le temps de faire, mmh. hein, on, auquel on n'a pas eu le temps de jouer, mais promis, on y joue euh, l'année suivante. Est-ce qu'il y a un seul de ces jeux auquel on n'a a pas touché <laughs> un seul Hasard, <laughs> cette liste, on n'en a pas touché un seul. Oh, c'est un scandale. Ouais. Vas-y, c'est quoi euh, Cette liste, à l'époque, faite en 2019, euh, cette liste était after party. On n'a pas continué. Hein. On n'a pas continué, ça a l'air trop bien. Euh, ça a l'air trop bien, mais pro. pas assez bien pour qu'on ait envie de continuer. Donc, euh, je suis mitigé. Euh, AI The Somnium Files, un roman ça, visuel. Sais, euh, ça avait l'air très intéressant. Euh, ça, celui-là, c'est pas notre faute. Euh, on attend, euh, on attend qu'ils le refassent. C'est Anthem. Anthem, ils ont promis une refonte complète du jeu. On attend toujours et on verra. Euh, ensuite, Bloodstain Ritual of the Night. Ça, ça avait l'air cool. Rappelle-toi. Euh, ouais. Suite spirituelle de. Enfin, dans, dans la même série que, que, que les Castlevania, ça avait l'air mmh. cool. Euh, dans la série jeu de rôle tactique Fire Emblems Treehouse, euh, qui avait l'air cool sur Switch. Euh, Ghost Recon Breakpoint. Life is Strange 2. Ouais, Life is Strange 2, c est, c est... en fait, il y avait un épisode qui était un peu plus chiant que les autres et du coup ça, ça et nous ensuite avait... il a fallu attendre deux mois et demi pour la suite et pour après c'était un peu trop long hein. donc ouais. on n'avait pas continué quoi ouais. euh, euh, Pokémon épée et bouclier bon, ça on le fera jamais hein. ouais, je ça, sais pas y pourquoi t'as écrit ça euh, euh... j'avais envie mais c'est pas sûr il hein. y a tellement de trucs que malheureusement pour moi personnellement les Pokémon ça passe vraiment en dernier ouais. hein. je suis désolé mais Slay the Spire. ça je sais pas ce que c'est mais euh, Star Wars Jedi fallen order ça non plus on l'a pas fait non, a pas, pas, euh, pas eu le euh, temps, mais ouais. écoute, il a, il est sur le Game Pass, euh, ça risque, ça risque d'arriver. Hein. Et Yoshi's Crafted World, qui avait l'air très ouais, mignon, très vrai. sympa, mais euh, auquel, okay, okay, on n'a malheureusement pas joué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est pas grave, hasard. On va, il y en a encore plein qu'on va rajouter à cette liste. Puisque j'ai une nouvelle liste <laughs> des jeux sortis en 2020 auxquels on n'a pas, on n'a pas joué ou pas suffisamment joué pour en parler. Exactement. Toujours euh, par, ordre, euh, par ordre alphabétique. Euh, Call of Duty, Black Ops Cold War. Ça, on a fait les, les, les trois premières missions pour rigoler, mais on n'y a pas vraiment joué. Ah, voilà, c'est ça. Hein euh, et je suis curieux de voir ce qu'ils mmh, qu en oui, fait. Il faudrait ça, continuer la campagne déjà. Ouais. Euh, Crusader Kings 3. C'est quoi ça déjà euh, C'est un, un jeu. Je pense que ça te plairait. Ah bon Ouais, je pense que ça te plairait. Euh, c'est sur le Game Pass. Et mais c'est pas genre comme civilisation Non. Mmh, c'est... Non, non, c'est... Vraiment... Voilà, c'est pas du tout. Mais c'est <laughs> un jeu pour toi. C'est un jeu à... à... C'est un jeu de chevalier... Euh... Bah, bah, Crusader Kings 3, c'est des chevaliers et des consanguins. C'est tout ce que t'aimes. Euh... Ça dépend ce qu'ils font en fait. Bah, ouais. <laughs> pour devenir consanguin, je te laisse... Euh... <laughs> Alors je me suis permis de mettre dans cette liste Demon Souls parce que euh, ça a l'air euh, trop cool. On y a très peu joué. Il hein, faut dire ce qui est. A. On a fait les deux premiers boss. Euh, c'est pas. Alors après, sans vouloir euh, dénigrer Demon Souls, parce que ouais. moi, déjà visuellement, j'adore. Hein, ouais. Mais bon, quand même, on, on sait quel est le type de jeu. quoi. Ah oui, oui, oui on oui. sait ce que c'est. Oui, il va faut pas voir. y avoir de surprise. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est la variété des environnements, des boss, des trucs comme ça. Des... Il faut voir comment le jeu évolue. Hein. Mais après, Non, c'est le, sûr. Le mais attends, si tu vas euh, par là, alors tu les mets tous les jeux. Parce qu ah non, c'est sûr. mais On n'a euh... pas fini grand-chose. Hein, Et on a quand même quelques-uns. Hein. Hmm. Euh, alors sur ma liste, j'ai également Dragon Ball Z Kakarot. Euh, qui on n'a pas joué à ça Ah, du tout, non. du tout. c'est sorti ça a... cette année Ça est sorti en, en février, je crois. Ah, en janvier oui. ou en février Non, non. Euh... Ah mais si, mais si, on n'avait pas essayé. absolument pas, non, on l'a pas. Hein. Mais attends, t'avais un truc où tu tu faisais, t'avais été un Dragon Ball ou je sais pas quoi, t'étais. <laughs> <laughs> je me rappelle d'un jeu où tu. Y ça c'est Dragon espèce... Ball Fighter, c'est vieux ça. Il y avait une campagne de Dragon Ball Fighters. Il <laughs> y avait un ouais, truc où, où, où un... Tu, tu jouais, je sais pas qui. Non, il te faisait créer un mec. Ah mais ça, ça a rien à voir. C'était ça, ça... quoi ce jeu de, de merde Avec Naruto et tout là, c'est Jump Force. Ah putain, c'est de la merde ça. C'est John c'était mauvais. Hein. C'est oh c'était mauvais. Il aucune liste. Il y avait Sangoku aussi. Oui, 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 non, mais c'est pas, pas, de ça que je parle. Bah heureusement. Ouais, ouais, non, non, t'en fais pas, <laughs> fais pas. Euh, Alors dans cette liste toujours, il y a Dreams, le, le jeu de création sur, euh, sur PlayStation qui, avait, mm. qui, qui a l'air très sympa, hein, qu'on n'a jamais, qu jamais, touché. Irule euh, mm. Warriors, l'air du Fléau. Euh, oui, le ça, on Zelda truc non, plus, non, ouais. trucs. non et, pff, et dans le même genre si tu veux dans le même genre de jeu euh, j'ai je, pas envie d'y jouer je pense que je jouerai à Persona Strikers euh, quand il sortira en février ou en mars je sais plus okay. mais euh, mais voilà donc on a parlé tout à l'heure Immortals Phoenix Rising oui, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, Écoute, j'en entends du bien à gauche et à droite. Il y a très peu de gens qui y jouent, mais ceux qui y jouent, ils sont... Il y a peu de gens qui y jouent Il y a peu de gens qui y jouent. C'est le bide. Ubisoft n'a fait aucune pub. C'est sorti après Assassin's Creed. Mais c'est con, alors que potentiellement, c'est leur meilleur jeu des trois. Mais c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est ce que beaucoup de gens disent, c'est que parmi toutes les grosses sorties Ubisoft de la fin d'année, Immortal, c'est sans doute le meilleur, et c'est celui qu'ils ont envoyé mourir sans faire de pub entre deux trucs. Il faut vraiment qu'il embauche du monde. Écoute, va. On, on va tester. Un, ah, au, un autre qui, euh, qui te, sur ton un autre qui te bon. tient à cœur, euh, Azaz, c'est Kentucky Route 0. Eh oui, Kentucky Route 0, moi franchement, euh, limite, je voulais, mettre dans, je voulais le mettre dans mon top alors qu'on a fait que le premier. Ouais, et tellement ça t'avait marqué. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. L'ambiance ah ouais. est super, mais on, on a fait que le, le premier épisode en fait. On n'a mm -hmm. pas eu le temps de continuer. Et, et par contre, ça a l'air vraiment, ouais. et vraiment plus, excellent. Quoi. Et en plus, c'est. Pas très long. Attends, on, vient de... on sort de Yakuza, de non, Yakuza oui, 7 avec 75 euh, heures. Mais... Euh, je peux te dire que Kentucky 0 il n'est pas très long. <laughs> mais euh, mais, ouais, mais voilà, On y jouera pour, pour l'année prochaine. Voilà. Et un auquel on risque de ne pas jouer, mais je l'ai mis sur la liste quand même, c'est Marvel's Avengers. Ah, bah celui-là tu m'as dit, on l'achète même pas. Mais euh... bah écoute, euh, son, son prix baisse euh, à bah. une vitesse folle et quand il sera en dessous de 10 euros ou sur le Game Pass, euh, on lui donnera sa chance. Bah, c'est comme ça qu'on a donné sa chance à Immortals, si on l'a payé moins cher, on est bien Ah oui oui, hein. il, est, il, est, il est en solde partout. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Parce qu'il ne se vend pas, euh, mm -hmm. il, il se prend des grosses promos et, et on en a profité. C'est ça. Voilà. Euh, <laughs> donc ça, c'est la liste des jeux euh, qu'on va essayer. On va, on va essayer de garder un œil dessus l'année prochaine, mais euh, même pas de promesses, parce qu'on a vu l'année dernière comment ça s'est passé. Non, on ne promet plus rien, c'est fini. Non. Euh, alors là, j'ai préparé une catégorie que j'aime bien. Euh, je, suis revenu cinq, je suis revenu, plusieurs fois sur l'intitulé le, le, de cette catégorie, mais finalement on reste, on reste dans le simple. Euh, meilleur personnage de 2020. Ah, finalement, t'as fait. Ouais. C'est compliqué avec toi. Hein. Meilleur personnage de 2020. <laughs> Ça a changé dix fois. Hein. Ben ouais, écoute, j'ai changé d'idée, j'ai changé de liste, j'ai changé de, de, de nominé euh, D'ailleurs, si tu veux en rajouter... Euh... Non, mais je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Moi, je, je sais qui c'est le meilleur personnage de 2020 et c'est tout, quoi. C'est qui C'est Ichiban, enfin. La question se Alors. pose même pas. <laughs> Alors, par ordre alphabétique... Pff, non, Même pas, mais vas-y, Ichiban, et puis c'est fini. Ils sont bons. Alors, euh, j'ai Jackie Wells de Cyberpunk 2077. Ouais, c'est bien. S'il marchait pas au plafond, ça serait cool. <laughs> Tu peux pas Asa, Tu peux pas, pas annoncer en début d'épisode à nos auditeurs que ça va être un super épisode avec plein de débats et ensuite à chaque fois euh, envoyer, euh, envoyer chier toutes les possibilités et de faire Genre, aucun débat. J'en vois pas chier les possibilités, je te dis. Jackie Wells ça a l'air vraiment d'être un super personnage. Mais écoute, on va en parler. S'il marchait pas au plafond, ça serait génial. La liste la liste des... Mais moi j'ai un autre problème avec ça, mais qui spoilerait le jeu, donc je, je n'en parlerai pas. La liste des personnages. La liste des dominés, déjà. Et après, on en parlera. Mais vas-y, nomine oui, mais tu me laisses pas parler. Donc, Jackie Wells de Cyberpunk 2077. Euh, Jin Sakai, un personnage principal de Ghost of Tsushima. Euh, Paimon de Genshin Impact, qui est euh, l'espèce de petit de, de, de lutin euh, farfadé qui t'accompagne tout le temps et qui est insupportable. Je ne sais pas ce qu'elle fout dans cette liste. Euh, Zagreus de mm -hmm. Hades. Euh, J'ai dans cette liste Honor Mizrahi Est-ce que tu te rappelles de Honor Mizrahi Murder by Numbers. Donc voilà, mm. la personnage principal de euh, la protagoniste de Murder by Numbers, qui était vraiment vraiment sympa. sympa ouais, euh, ouais, ouais. c'était cool comme jeu ouais. et les personnages, tout, tout l'ensemble de personnages étaient très cool. Mm, C'est vrai. Euh, pareil pour Lady Love Dies, mm. personnage principal de Paradise Killer. Ouais. Là aussi un personnage choisi au milieu d'un casting assez assez fou et, et très, très 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 original. Mm. Euh, encore un que j'ai dû choisir au milieu d'un casting trop bien, c'était Atul de Spiritfarer. Euh, c'est vrai. Atul, c'est le crapaud. Crapaud. C'est le crapaud. Hein euh, le crapaud mmh. il, reste, il reste très longtemps avec toi le crapaud. Oui. Euh, il a beaucoup de personnalité, il est vraiment marrant et mmh. plein plein de sagesse, plein de il est cool. Plein de crapauderie. Plein de voilà sacré crapaud. Euh, là, il a fallu faire un choix. Euh, c'est pour The Last of Us 2, c'est Abby est euh, vrai. qui est qui est nominée. Abby qui euh, Ellie n'est pas nominée. Euh, c'est rien contre elle, hein, la pauvre. Euh, elle en a déjà eu plein à la gueule. Euh... <laughs> non, Abby, Abby est intéressante parce que c'est un nouveau personnage. Ouais, bien euh, sûr. Et qui, qui prend à contre-pied euh, sur, sur plein de choses. Mm -hmm. Ellie, Ellie c'est plus. Euh, on la connaît, Ellie. On la connaît, oui. On la connaît un peu plus, même si le jeu révèle d'autres facettes. Mm. Euh, et voilà, elle m'a. Oui, Abby était... Abby était vraiment, vraiment... Était un peu plus intéressante. Ça. Intéressante. Euh, on a donc Ichiman de Ichiban Kasuga, un protagoniste de Yakuza, la Dragon. Oui. Hein, que ton, ton petit favori. Bah oui. Et, et toujours pour Yakuza, la Dragon, euh, j'en ai nominé deux cette fois-ci, mmh. c'est Saeko. Oui. Hein, qui est donc mmh. euh, personnage, princip... personnage féminin principal du groupe. Euh, ah, que ça, tu va as... dur, hein. ça, ça va être dur, là. Ça va être dur. Et euh, dernière nomination, euh, c'est. Alors, ça, c'est un choix très personnel, puisqu'il s'agit de Cornio. Cornio de, mon, Animal Crossing. Mon villageois préféré d'Animal Crossing. Ouais, c'est vrai que. Ça, c'est quand même euh, très personnel, parce que tous ceux qui jouent à Animal Crossing, je pense que très peu d'entre vous vont Cornio. Ah, c'est très le, peu de chance. C'est Cornio, est, il est incroyable. Cornio, c'est un rhinocéros bleu. C'est le plus mignon du euh, monde entier. Il est, il est incroyable. Il est incroyable. Il est trop mignon. Il est trop mignon et je ne veux, veux jamais qu'il parte. Il est... Non, mais il est trop mignon. Dès, mon... dès qu'il fait un truc, tu as envie de pleurer tellement il est mignon. Mon île, mon île est de sa prison. Ah bah oui. Non, il non, ne partira jamais. partira jamais. Il ne partira jamais. Il est là pour toujours. C'est cornio c'est que mmh. de l'amour. C'est ça. Donc. Bon, donc, euh, moi euh... Ichiban ou Saeko J'aime beaucoup Saeko aussi. Hein, je mais je bon. trouve que t'es bien Yakuza de manière générale. Ben ouais, écoute, on verra, on verra ma liste, mais effectivement... quelques quelques mots sur sur les autres sur les autres candidats. Jin Sakai. Est-ce que alors Jin Sakai, j'aime beaucoup aussi. Euh... Je sais pas, j'aime beaucoup aussi. C'est juste que ça va être moins varié que voilà. que Ichiban ou Saeko. Euh, Jin Sakai, Ichiban, of Tsushima. Voilà, là, euh... Ça va être moins. Ça va être plus ser... l'histoire est plus sérieuse du début à la fin donc c'est toujours euh, voilà, c'est très voilà c'est très c'est très monocorde c'est très c'est bien il n'y a, hein, mais... a pas énormément d'évolution du personnage mmh. euh, il commence le jeu dans un certain état d'esprit euh, il reste il reste droit euh, oui voilà c'est voilà. ça 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 avance pas trop l'histoire l'histoire est, est très sympa hein. mmh. l'histoire de, de Ghost of Tsushima est plutôt cool j'ai bien aimé la fin mais euh, mais Jin Sakai c'est et c'est une super performance hein. Alors, non il est la, très bien Sakai, j'aime beaucoup l'acteur hein. fait un, un super boulot mais mais voilà c'est une ouais. performance très très monocorde. il est très sérieux est il, il sourit pas une seule fois de tout le jeu euh, en même temps bon quand ton pays se fait envahir parler par <laughs> c'est pas trop, trop de raison de c'est pas l'heure des blagues <laughs> mais mais voilà c'est euh... Paimon, euh, Paimon de Genshin Impact résume euh, à elle toute seule le, le charme global de Genshin Impact, mmh. de le charme de l'écriture, euh, le charme de l'histoire en, en général. Mmh. Euh, c est, c est, Genshin Impact, c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris hein, par, oui. euh, par la profondeur et la variété du truc pour un jeu, euh, pour un jeu gratuit avec euh, des, 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 des tonnes de microtransactions. C'est également un jeu gratuit qui est suffisamment généreux pour euh, que tu puisses en voir la plus grosse partie sans, sans jamais payer. Mmh. Et, et c'est vraiment un univers très sympa. Et au cœur de cet univers, il y a ce personnage qui est qui est, qui est mignon, naïf, euh, qui un, un petit peu insupportable comme euh, comme le ferait un bon compagnon de jeu euh, japonais. Alors que c'est c'est pas un jeu japonais. On rappelle que c'est chinois, hein, mais oui, mais bon, ça a toutes les voilà, ça a les <laughs> inspirations qui vont bien. Toutes les inspirations donc, japonaises possibles. Euh, hein. Donc c'est plutôt cool. Jackie Wells, on en a parlé tout à l'heure de Cyberpunk. C'est est, est un personnage qui est, qui est très vite qui est très vite attachant, qui est eh et oui. qui euh, voilà, on est bien craché sur, sur Cyberpunk, Cyberpunk, mais il faut, faut reconnaître aussi ses qualités. Euh, L'écriture par moment est plutôt sympa, les personnages sont, sont assez réussis, euh, ils, ont, ils ont du caractère, oui, mais... ils, ont, ils ont une identité. Non mais je peux pas le dire, mais ça me saoule, là, tu vois, ce que tu es en train de dire, ouais, c'est bien. Ouais. Mais voilà quoi. C'est mais, mais ça représente un petit peu aussi les... les... J'ai pris Jackie Wells, mais il y a, y a plein de personnages comme ça qui sont très uniques dans, dans Cyberpunk. Oui, mmh, mais Jackie Wells, il est vachement bien. Mmh. C'est ça qui est frustrant. Bah oui. C'est. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu de. Abby, on en a parlé. Ouais, on a dit Abby. Ouais. Hein, Abby, on en a parlé de The Last of Us. Euh, C'est vraiment un personnage. Euh... Bon, il s'est passé quelques mois depuis la sortie de, de Last of Us, on peut euh, vaguement spoiler, mais c'est un personnage qui te prend à contre-pied euh, complètement, euh, mm -hmm. c'est un personnage qui est pr présenté d'une certaine façon dans la première moitié du jeu, et qui ensuite euh, est, est présenté sous un angle complètement, différemment, mm -hmm. complètement différent, et mm -hmm. du coup c'était un pari de la part de... De, de Naughty Dog, vraiment d'essayer de, de te faire détester un personnage et ensuite euh, faire en sorte que finalement tu changes d'avis. C'était pas évident et c'est plutôt réussi. C'est mm -hmm. un, un bon personnage, vrai, une bonne vrai. performance. Euh, et Abby souffre un petit peu comme Ellie euh, de, 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 la fin du, de la fin du jeu qui n'est pas forcément satisfaisante. Euh, ça... bah, je te dis, moi euh, moi je reviens sur ce que je disais de The Last of Us au moment où on parlait de The Last of Us 2. C'est le, le le plus gros truc qui me gêne dans ce jeu et qui me gênera toujours et qui, est, qui, est, qui était important pour moi et que mmh. voilà je veux dire je peux comprendre qu'il y ait d'autres gens euh, que ça gêne moins mais moi ça me gêne beaucoup euh, c'est qu'il y a ces deux personnages pendant tout le jeu et qu'il y a aucune interaction entre les deux ou mmh. interaction un peu plus poussée que ce qui se passe quoi. Ouais. moi tout ce que je voulais c'était ça une y a... conversation Conver euh... juste un, un peu plus de conversation qui est un peu plus de, de... Euh... Ouais, ouais. Que... il fallait qu'il y ait une interaction entre les mmh. deux pour moi et ça ça c'est Complètement passé à eu. côté. Ouais, quoi. Ouais, complètement. Complètement passé à côté. C'est ouais, dommage. Qu'est-ce que tu penses de Zagreus Ah, Zagreus, il est cool. Hein. Ouais. Mmh. Mais non, tout... mais tout le monde dans Hades, c'est vraiment bien aussi. Hein. Hades est très, très bien écrit. Tous les personnages sont très sympas. Ouais. C'est vraiment bien. Hades réussit un truc que... Alors, je ne vais, vais pas trop parler de Immortals parce que je ouais, mais parce que j ai exactement pas joué. Ça. Mais <laughs> Hades réussit un truc que, que Immortals essaye, essaye de faire et d'après ce que j'ai vu, il n'y arrive pas, c'est-à-dire de de prendre des personnages qui sont ancrés dans une mythologie, et là, pour le coup, c'est la même mythologie, c'est la mythologie grecque, ouais. et, et de, faire, euh, de, de leur donner un ton décalé, euh, ouais, une ça. voix un petit peu décalée, les faire parler de, de façon moderne, de façon marrante. Ouais. Et ça, façon... ça, ils y arrivent très bien. Et c'est tellement, tellement, tellement plus réussi que. Bien sûr. Enfin, après, on n'y a pas joué, mais bon, de la démo qu'on a vue, ouais, ça ouais. passait pas bien sur Immortals, et par contre, sur Hades, c'est incroyable. Oui, ouais. C'est est plutôt cool. Euh, qui est-ce qu'on n'a pas vu dans ismond les... corneau On en a déjà parlé. Euh, Honor Misraï. Honor Misraï, dans Murder by Numbers, c'est mm. un, euh, un super personnage. Encore une fois, c'est un ensemble de personnages vraiment, ouais. vraiment très ouais. charmant, vraiment très sympa, qui rappelle un petit peu les ensembles de personnages qu'on avait sur, sur les Phoenix Wright ou les trucs comme ça. Mm -hmm. euh, pour un... Et c'est pour un jeu qui finalement est un jeu de picross. Hein euh... Oui, mais il y a beaucoup d'histoires à côté ah, quand même. Il y a énormément d'histoires à côté mmh. et c'est une histoire qui tient la route parce que les personnages sont vraiment sympas. Non, non, c'était hein, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et, mmh. et vraiment, vraiment une collection de personnages vraiment cool. De, de la même façon que Paradise Killer. Ouais. Paradise Killer aussi avait, avait repose sur ces personnages incroyables, mm -hmm. euh, vraiment haut en couleur et, et Lady Love dies, euh, elle, elle est parfaite, hein, elle, ouais, ouais, elle, ouais. elle est géniale comme personnage. Paradise Killer c'est encore plus fou comme histoire. Ah oui, oui oui et du coup euh, tu es, tu te retrouves dans un rôle d'enquêteur au milieu de cette folie, euh, mm. c'est assez dingue. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux mettre Ichiban euh, en, en gagnant de cette catégorie? Je pense que oui, parce que Ichiban, c'est vraiment. Il est vraiment génial comme personnage, je trouve. Il est attachant instantanément. Il est. Je sais pas, il a. Il, il... J'en sais rien. Il a toutes les qualités d'un personnage intéressant, en fait. Il y a beaucoup de variations. Il est rigolo, il est énervé, il est il se laisse emporter après mmh. il est content euh, il, a, il a il a cette espèce de il y a une palette d'émotions spontanéité que... émotionnelle ouais. dans tous les cas en fait ouais que Kiryu n'avait pas forcément hein. non que Kiryu n'avait pas forcément bien euh, sûr. Kiryu il était beaucoup plus froid quand même là tu sens que tu sens qu'on part sur une nouvelle génération mmh. de, 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 de jeux Yakuza euh, l'histoire de Kiryu elle est elle est terminée ouais hein euh... C'est pour, pour plein de raisons. Euh, mmh. L'histoire veut que Kyriou euh, qu ne, 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 ne fait plus partie du tableau. Mmh. Euh... Et l'histoire veut aussi que de toute façon, on est en 2020 et Kiryu, Kiryu il a 60 ans. Il quoi. va tout doucement sur ses 60 ans. Ouais. Euh, c'est plus réaliste de le mettre au premier plan d'une histoire comme Évidemment, ça. Il fallait une nouvelle génération. Alors, ils n'ont pas pris le plus jeune, hein, puisque. Il a 40 ans, Ichiban. Parce oui. que Ichiban a 40 ans. Mmh. Ichiban a 20 ans au début du jeu et ensuite il passe 20 ans en prison. Mmh. Donc, euh, ouais, il a, il a la quarantaine. Il n'est pas tout jeune, mais, mais c'est quand même une nouvelle génération de de, de, de personnages mmh. et, et c'était un pari donc vraiment de relancer leur euh, leur grosse grosse franchise sur un nouveau personnage inconnu euh, ouais. c'est même pas un personnage qui vont piquer de l'histoire ah non euh, non, le, non il, il sort de nulle part c'est une introduction et, et il est instantanément c'est instantanément le meilleur personnage du monde quoi ouais il est, euh, il est tellement bien écrit, tu t'y attaches immédiatement. Oui, ça va, et puis ça va tout très, au long très très du jeu, c'est de pire en pire quoi. Voilà, c'est comme dit, il est, il est il est il est vraiment spontané dans tout en fait. Il est mm -hmm. tellement frais comme personnage, c'est ouais. incroyable ouais. vraiment. Et, et l'ensemble de personnages oui, global ils sont très très fort. Moi j'aime bien Saeko, j'aime bien Amba, et, et est, est très sympa. Aujourd'hui on n'a pas on a pas de Yakuza 8 d'annoncer, mm -hmm. mais mais quand quand arrivera le le huitième Yakuza, euh, je veux Ichiban. Mais, mais je veux dans le bas, je veux Saeko, je veux, Psycho, je, veux, je, veux tout, je veux toute la clique. Hein. Je veux tout le monde. C'est ouais. vraiment un groupe de personnages qui, auquel tu t'attaches euh, très facilement. Mm. Euh, c'est vraiment une réussite. C'est vrai. Euh, Alors à noter, euh, si, si c'est le premier jeu yakuza euh, sous-titré en français. Oui. Ça, on l'a dit quelques fois. Mais c'est également un jeu qui est c'est assez rare doublé en anglais également. Le, le jeu est en japonais, c'est intéressant d'y jouer en japonais parce que ça Je se passe là-bas oui. pour l'ambiance, c'est cool. Mais si vous êtes vraiment allergique à ça et que vous voulez les, les voix anglaises, il euh, n'y a pas de voix française, mais si vous voulez les voix anglaises, le doublage anglais est également euh, de qualité. Mm -hmm. hein, c'est pas évident, euh, mais ils ont, ils ont réussi à faire un truc plutôt cool. Et donc voilà, la performance euh, la performance d'acteur pour, euh, pour Ichiban euh, est, est vraiment réussie euh, dans toutes les langues. Mm -hmm. Et, et c'est cool. Je pense qu'il qu y aura d'autres jeux avec, euh, avec Ichiban. Hein. Ah oui, Ça n'a pas je été pense annoncé. Que, je pense que là, ils vont partir sur une série Ichiban, hein, c'est sûr. Ah, je pense que c'est sûr. C'est évident. Tu ne tu peux, peux pas le foutre à la poubelle direct. Lui, il est, il est incroyable. Ouais. Hein. Encore une fois, il n'y euh, a pas de suite qui a été annoncée pour l'instant. Mm. Mais l'acteur qui, qui fait la voix d'Ichiban en, en japonais euh, a dit sur Twitter que, que le producteur lui avait dit... Euh, Bloque-toi les dix prochaines années, tu vas bosser pour moi, quoi. <laughs> bah ouais, évidemment. Donc, euh... c'est sûr, <laughs> c'est sûr, c'est sûr. Donc, à mon avis, on, en, on va en avoir quelques-uns autour de ce protagoniste, quoi. Non, et après pour le personnage de Saeko, euh, chose dont on avait déjà parlé pour Yakuza mmh. 7, euh, personnage féminin qui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on euh, qu avait dans Yakuza jusqu'à présent, ouais. qui, est, bah, qui se bat avec les mecs, qui a, qui est, qui a une attitude, enfin euh, ouais. qui est. Mh, je... Je... Qui n'est pas la japonaise ouais, ouais. classique. Non, tout à fait. Elle ne se, se laisse pas faire. Elle ne se laisse elle pas elle faire. Est... Dès qu'il y en a un qui lui dit un truc, elle l'envoie chier. Non, euh, voilà, très elle gros est... caractère Et... Ouais, complètement. Le... Le... Le reproche que je fais au, au personnage de Psycho, c'est qu'elle elle... Elle... Elle est... elle passe vraiment au second plan sur la deuxième moitié du jeu. Ah bon euh... Elle est là, elle est présente, elle... c'est un soutien, mais elle n'a pas vraiment de rôle. Euh... Elle ne ouais, elle... fait pas grand-chose. Ouais, il y a Namba qui est très présent. Il y a, a Namba qui est très présent, mais Adachi fait pas grand chose, Saeko fait pas grand chose. Ils sont ouais, c'est sûr. Ils, ils sont là juste en soutien euh, en soutien mais ils ont plus de place dans l'histoire au bout d'un moment. C'est un petit peu dommage. Mais je pense que c'était compliqué de. Ben ah en non, fait, la, la différence qu'il y a. Euh... Avec les autres Yakuza, c'est qu'avant, euh, le seul personnage, c'était Kiryu, en fait. Ouais. Là, maintenant, vu que tu as un groupe de personnages à chaque combat. Euh, euh, ouais, non, c'est euh, ça. Donc, euh, ouais, ils, ils, ont fait, ils ont fait quand même une histoire intéressante pour chaque personnage. Ouais. Euh, pour tous, hein. Mais au bout d'un moment, euh, c'est vrai que. Euh, ben voilà, quoi. Il faut, il faut avancer l'histoire d'Ichiban et le truc, donc. Euh, ça. le truc principal et c'est vrai qu'il y a un moment où les où les où les personnages secondaires vont passer un peu un peu en retrait mais bon ouais, complètement ouais. franchement je, je trouve que tu es un peu dur quand même sur non mais attends par exemple un personnage qui sert à rien c'est Eri. Eri, elle sert à rien non, alors ça, elle franchement aucun intérêt elle serait je serais pas dans le quoi. groupe ça serait pareil ouais, voilà parce que tu même pas t'as même pas son histoire personnelle euh, ouais, il, y a, elle, 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 il y a rien elle vraiment elle sert à rien par contre les autres euh... Je sais pas, écoute. Je trouve que ça va quand même. Il y a, ouais. y a quand même non, mais histoire, je veux dire, hein. moi, moi je t'en parle dans un contexte où euh, voilà, on, a, on a quelques nominés et on doit faire un choix entre Saeko ah et Ichiban. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, 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 moi je, non, mais moi je mets Ichiban. Après Saeko, elle est cool aussi. C'est super. Non, non, voilà, Au niveau représentation de la femme dans des jeux japonais, c'est très très bien. C'est ouais. une super évolution. C'est vraiment, vraiment bien. Après Ichiban, c'est le personnage principal. Il a plus de variété quand même que Saeko, quoi qu'il arrive. Mmh. Hein. On, on va changer de catégorie. Ouais. Euh, là on va comment on, on va attaquer les choses sérieuses bah, vas-y là on va parler du jeu de l'année des auditeurs ah, de oui. la belle gamer c'est vrai. Jeu de l'année des auditeurs. Euh, pour ceux euh, qui, nous ont suivi, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur Facebook, sur euh, Twitter et sur notre Discord, mmh. vous avez vu passer un sondage. On vous a demandé de faire votre choix euh, du, de votre jeu préféré de l'année 2020. Mmh. Donc, euh, le choix du public. Hein, que vous avez été plutôt nombreux à voter. C'est plutôt cool. Et, et on, a, on a un résultat. Ah, c'est quoi Il y a un gagnant de loin ou il y a un gagnant de loin. Ah Il y a un gagnant de loin. J'ai un top 5. Ouais. J'ai sorti un petit top 5 de, de, de ce truc. D'accord. Euh, avec quasiment le quart des voix. Mm -hmm. 23,5% des voix. Mm -hmm. Le jeu de l'année des auditeurs. De... On va le faire dans l'autre sens. On va faire Fais le, le dans suspense. dans l'autre sens, mais je sais lequel c'est le jeu de l'année. On va le faire dans l'autre <laughs> sens, on va faire le suspense. Numéro 5. Mm -hmm. Avec 8% des voix. D'accord. Très exactement 8% des voix. Euh, Cyberpunk 2077. Ah quand même Eh, hein. quand même Quand même 8% des voix. Donc il euh, y, a, y a quand même... C'est pour ça que je te disais. Il y a quand même des gens, des qui, gens apprécient qui apprécient ouais, C'est hein, euh, un mmh. jeu qui, qui, qui a ses défauts. Mais on va pas gâcher le plaisir aux gens qui apprécient. Et je suis super content qu'il y ait des gens qui apprécient. C'est bien, c'est bien. C'est cool. C'est cool pour eux. Juste au-dessus de Cyberpunk 2077, avec 8,2% des voix, on a Animal Crossing, New Horizons. D'accord. Donc là aussi, un jeu, un jeu plutôt populaire. Mmh. Euh, un jeu qui a, qui a aidé euh, plein de gens à survivre au premier confinement. Hein. Il est, est sorti vrai. pile au bon moment. <laughs> et, 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 et le résultat est là. Donc pas mal, pas mal d'amateurs d'Amenial Crossing. J'espère que euh, un grand nombre d'entre vous sont bénis par la présence de Cornio. Et si vous ne l'avez pas, euh, cherchez-le. -le. Cherchez -le, oui. cherchez ça fait du bien euh, au cœur. Allez, on monte un petit peu dans le classement avec 12,9% des voix. Euh, Ghost of Tsushima. Uh -huh. euh, les aventures de Jin Sakai euh, en troisième position de ce classement, donc euh, là aussi, euh, là aussi plutôt, plutôt populaire. Ensuite, on est deuxième position, on est euh, médaillé d'argent sur le podium avec 15,3% des voix. Hades, euh, ouais, ok. Hades, euh, tu savais lequel de... c'était le premier, et voilà, c'est ça, c'est Doom, <laughs> c'est tout. <laughs> <laughs> voilà, Hades avec 15,3% des voix et en numéro 1, 23,5% des voix, quasiment la moitié, mm -hmm. euh, The Last of Us 2. Voilà. Euh, qui est. Qui, qui divise, qui divise quand même. Qui euh, divise, mais visiblement, il y a beaucoup de Les gens, gens qui, qui aiment lui... The Last of Us 2 l'aiment beaucoup euh, et c'est très haut sur le classement et ils sont nombreux. Ben après, ce qu'il faut voir aussi, c'est à quoi on joué les gens parce que c'est vrai que Ouais. là, quand tu fais voter les gens, il y en a plein qui. Que, que par exemple, bon après je dis pas qu'ils sont pas raisons, hein, mais ouais. je veux dire The Last of Us 2, c'est le seul jeu, seul gros jeu auquel ils ont joué. Ceux qui ont voté pour Ghost of Tsushima, c'est le seul gros jeu auquel ils ont joué. Bah, pas forcément, tu vas après, trouver des gens euh... qui ont joué aux deux et qui préfèrent l'un ou l'autre. Hein, c'est euh, vrai, évidemment. Mais il y a aussi le. le... Et, et aussi, il faut noter que ces deux, Tsushima et Last of Us... Déjà que nous, nous, on n'arrive pas à jouer à tout, alors que oui, euh, c'est notre travail on essaye de le faire correctement. <laughs> tu sûr. vois, euh, quelqu'un qui n'est qui est pas obligé, ben, il fait comme il peut. Quoi. Mais, mais voilà, il faut noter que Tsushima et Last of Us, c'est deux, deux exclusivités Sony. Hein. C'est vrai, euh, c'est vrai, vrai. Pas forcément avec un avantage, mais, mais, mais voilà, c'est des gros jeux. Et Hades, très bien, très bien. je suis content. Nos, oui, non, Hades... Nos et auditeurs et ont, ont du goût. Ouais. Et Hades est plutôt, plutôt bien classé. Donc félicitations à The Last of Us 2, Hades et Ghost of Tsushima pour le trio gagnant. Ok. Allez, il est temps de passer euh, à nos classements. Oui, alors vous pourrez nous insulter après le podcast, il n'y a pas de problème. Il est temps de passer à nos classements. <laughs> euh, on va... Alors, je sais pas trop... Alors, comment on fait Voilà, comment on fait euh, on va commencer par. Euh, Moi, à mon avis, non, tu, tu, tu fais la liste la au liste fur à et à mesure et on, on sort ce qu'on ne veut pas. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de, de retirer. Donc, il oui. faut savoir, euh, les, à ceux qui nous écoutent, on rappelle comment on a organisé ce truc-là. Euh, Aza a fait sa liste, un top 10 personnel, mm -hmm. euh, sans, sans aucune influence de ma part. Euh, j'ai fait ma liste personnelle, sans aucune influence d'Aza Et on va essayer. Enfin, j'ai mais. Par <laughs> contre, euh, on n'a pas fait, et on va faire ensemble en direct avec vous, euh, la liste Notre commune. Le top, ouais. top 10 de la et Gamer. Avec, euh, avec alors tous les nominés. nominés j'ai mis un petit peu tous les jeux auxquels on a joué. Hein, euh... bon on les, on, on les fait on les sort au fur et à mesure ce qu'on veut pas hein. on oui est mais un, hein. avec à chaque fois un petit mot euh, bien pour sûr. leur dire au revoir hein. euh... <laughs> non mais je veux dire je veux dire tu lis pas la liste entière et après on les reprend quoi ouais, ouais, ouais. Euh, par ordre alphabétique oui j'ai compris 13 sentinelles igstream c'était pas mal, ça. C'était pas mal. C'était, euh, Ah oui, c'est ouais, non. Excellente, excellente histoire, excellente présentation sur toutes les phases d'histoire et ouais, de scénario ouais, et, ouais, et ouais. des ouais. progressions du truc, euh, avec des super personnages, une, une histoire qui est vraiment dans mon rayon des trucs que j'aime bien, avec les trucs de voyage dans le temps, ce genre de choses. J'adore ça. zéro euh, 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 Les combats sont tellement minables que je... ça annule. Hein, c'est malheureusement on est obligé de le sortir. Hein. Ouais, ouais. Je ça, pense qu'on est obligé de le sortir. Ça, ça dégage immédiatement. Avec beaucoup de peine, c'est. Non, et on, on continuera, plus... hein, parce Je que l'histoire supporte... a l'air vraiment sympa. Je ne supporte pas les, les combats de ce jeu. Vraiment... Ah non c'est un... mais voilà après le le vraiment. fait le fait est que tu peux les mettre en ultra facile machin et les passer très vite mais bon, euh, mais ouais. bon on va dire que c'est pas ça se fait hein, c'est euh, pas poli pas poli non mais voilà pas je peux dire tu fais un jeu tu le fais jusqu'au bout voilà, quoi. Animal Crossing, New Horizons, celui-là pour l'instant n'est pas éliminé. Mais je sais. Il reste dans la liste. On va on va en discuter plus profondément. Mais voilà c'est c'est un je jeu c'est c'est un raz de marée de positivité dans une année très noire et c'est un jeu auquel euh, j'ai beaucoup joué et ça m'a fait beaucoup de bien alors voilà c'est trop de positivité pour parce que moi personnellement ouais. quand ça va pas j'ai besoin de voir des trucs où ça va encore moins bien tu vois j'ai pas besoin de Cornio qui vient me faire des bisous ça m'énerve en fait tu vois non c'est cool Cornio tu peux pas mais so... respect pour Cornio sinon euh, je finis l'épisode tout seul non mais tu vois c'est juste qu'on n'a pas la même façon moi en fait quand je suis pas bien ou que je suis un peu déprimée ou quoi ou que voilà je, je regarde un film d'horreur, tu vois? Ouais. Je regarde un film d'horreur ou je regarde un, un, un documentaire sur les serial killers, et, 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 tu vois? Je vois. <laughs> Cornio, je sais pas. Animal Crossing, c'est trop mignon pour, pour, pour moi. D'accord. Mais je. je... C'est moi qui. Je, je, je sais que j'ai un esprit particulier. Hein. Ouais, ouais, ouais écoute, il, il résiste euh, <laughs> jusqu'au second tour. Oui, euh, bien sûr. Assassin's Creed Valhalla aussi euh, va résister jusqu'au second tour, même si, bon, il est. C'est vrai. Non, mais il, il mérite de résister jusqu'au second tour. On va, on, on va en reparler. On ne l'élimine pas tout de suite. Moi, j'avoue que celui euh, Assassin's Creed Valhalla, je pense que tu aurais dû le mettre carrément dans la liste de ceux auxquels on n'a pas assez joué pour se prononcer. Hein. J'ai fait 50 heures d'Assassin's Creed Valhalla. C'est pas vrai. Euh, et oui. Euh, moi, j'y ai beaucoup joué, mais. Ah, J'ai eu l'impression que tu y as joué 10 minutes, quoi. Ouais, non, non. Bon, ouais, okay. non, non, Je ne l'ai pas fini. Hein. Euh, C'est un jeu très, très long, mais, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Oui, mais beaucoup de temps, parce que t'avais que des trucs buggés et tu mettais 800 ans à faire tes quêtes. Ouais, passe -moi là, non, euh, pas à ce point-là, non. pas exagérer non plus. Non, non, j'ai passé pas mal de temps. Bon, Assassin's Creed Valhalla, ça aurait pu être bien si tout, est... tout n'était pas buggé. Bon, après, voilà, c'est un Assassin's <laughs> Creed. Euh, Astro's Playroom. Ah, c'était euh, très très PlayStation bien. PlayStation 5, voilà, qui était une, très, une très, excellente très surprise, un petit peu court. Mais, euh... Très très bien, mais voilà, c'est un un peu court, c'est vraiment euh, une, démonstration, euh, de, une démonstration de, de la manette de et, la, et des de fonctionnalités de, de la voilà. PS5. C'est très sympa, très charmant. Il euh, j'ai joué avec beaucoup de plaisir. On va le laisser jusqu'au second ouais, tour. On va dire, le On va pas le mettre dans les 10. On va le laisser jusqu'au second tour. On est là, pour... là jusqu'à demain. Hein. Non, non, mais attends. On va, on va, on va qu faire quatre heures de podcast. Ah, ça va, on va commencer à trancher dans le vif. Euh, Battletoads. Un... Non, mais alors là, tu tranches, mais directement. Battletoads. Tu, tu tranches les, un... les pattes de la grenouille. Quoi. Mauvais jeu, ça dégage. Bleeding Edge est un mauvais jeu. Je sais pas ce que c'est Bleeding Edge. Voilà, bah très bien. Tu... <laughs> c'est ton, ton cerveau qui a fait un blocage. Bright, mais Memo... on... J Bright vu... Memory. J'ai vu Bleeding Edge. Oui, y a mm hmm je sais même pas ce que c'est. C'est un jeu multi où on se tire dessus dans des arènes. Ah ouais. non, non, c'est nul ça. Ah, c'était nul. Ah, ouais, non, à chier. Bright Memory, c'était sympathique, mais ça a duré 45 secondes. Pas... Mais on l'a fini ça Bright Memory, oui. En stream, et ça a duré 40 minutes. Ah ah non ça non mais c'est pas un jeu ça oui ça c'est la démo de Bright, ouais. de Bright Memory Infinite voilà on verra Bright Memory Donc, ça, Infinite l'année prochaine quand ça sortira mais c'est voilà, ça ça, un peu comme Cyberpunk c'est pas sorti quoi euh, un jeu qui me fait très plaisir mais celui-là je te ferai pas l'affront de le garder euh, c'est Snacks. Non, tu peux pas. Hein, Snacks mais euh, voilà, ça aussi c'est un bah jeu après, qui me fait te, beaucoup rire. Ça te fait plaisir, mais euh, tu râlais beaucoup en hein, y jouant hein, quand même. Voilà, bon, C'était euh, pas non plus le jeu qui te faisait le plus plaisir du monde. Hein. L'idée de Bugsnax me fait très plaisir. Euh, y jouer c'est un petit peu moins. Voilà, euh, ah, c'est ça. Un, ben, un petit peu moins fun que prévu. Mm, Call of the Sea. Il est, il est, il est. Il est. Call of the il, sea, est il est quoi Il est où dans On le vire, c'est ça Call non, of the Sea Non, Call of je, the Sea. Je see. le vire, c'est ça. Call of the c est Sea tu dis? est dans mes dix. Je t'entends pas, attends, mon casque Tu le laisses. Bon, on laisse Call of the Sea. Euh, est... D'accord, ok. Ah, Car... il est dans mes dix, Call of the ah, Sea. Allez, hein, bah, hein, désolée, mais... carillon, il est pas dans tes dix. Carillon, carillon, il est pas dans carillon. mes dix. c'était très mignon. C'était sympa, Pourtant, mais... Pourtant, t'aimes bien les trucs négatifs, dégueulasses, euh, qui tuent des gens. Euh... euh Ouais. Mais non, pas celui-là. Mais non mais ça va hein. pas, pas assez de l'histoire et pas assez développée pour mon non. Coup. ah oui non ça c'est sûr que voilà. c'est plutôt basique ouais. euh, un peu plus d'histoire euh, dans le, le meilleur jeu cyberpunk de l'année euh, Cloudpunk ah euh, oui ça tu le laisses hein, je le laisse je le laisse dans la liste c'était ah, ouais. ouais, très très bien plutôt cool Cloudpunk j'ai pas pu le finir, ça aussi. Il faut ouais, que je euh, finisse parce que ça, ça me fait de ce la peine. Ce n'est que partie remise, mais mmh, c'est vrai que l'univers mmh, était, vraiment, mmh. ouais, était ouais, vraiment, vraiment classe et visuellement c'était euh, très réussi. Euh, CrossCode, ça m'avait bien accroché au début, mais, euh, mais voilà. Mignon, mais. Euh, mignon, et j'y rejouerai peut-être un jour. Sûrement. Mais, mais voilà. Euh, par ordre alphabétique, on arrive à Cyberpunk 2077. Ben, Cyberpunk ça compte pas, le jeu est pas fini. Tu me le remets dans deux ans quand ils ont fait un vrai jeu. Oui, et dans deux ans, tu me dirais, oh, il est sorti en 2020. Ben voilà, voilà. Tant pis, c'est raté, ils avaient qu'à le sortir en 2020. Ok, eh euh, Cyberpunk ne fait pas partie des dix meilleurs jeux de l'année. Non, malheureusement, c'est loin de comme là. Ça. Désolé. C'est comme ça, Deliver de Moon. Ça, euh, ça avait l'air cool, très, très cool, mais il mais s'est. Toi qui y as joué, ouais, et genre 5 minutes. Quoi. Là aussi, ne sous-estime pas le temps que j'ai passé dessus. Mais, mais tu l'as tu l'as, fini non. non, je l'ai pas fini. Tu as bien avancé dans le... Dans j'ai pas mal avancé, le scénario est, est très sympa, très intriguant. Euh, c'est très donc joli. Non, ça reste pas dans le top 10. D'accord. Ça reste pas dans le top 10, mais euh, c'est. Mais à finir l'année prochaine. À, à, fi à finir, ouais. À finir, des Libreurs Moon, c'est très sympa. Desperados 3, on y a passé pas mal de temps. et C'était bien, Desperados cool. 3. Euh... Vraiment un retour à, à, ce, à ce style classique euh, mmh. vraiment réussi. Très bien. Euh, des super personnages, des super maps, euh, c'est très joli. Euh, c'est un casse-tête agréable, quoi. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Après, personnellement, c'est pas le genre de jeu que je mettrais dans un, dans un top parce que c'est vraiment très bien pour le style. Ouais. Mais euh, je, je vais privilégier d'autres styles de jeu avec une histoire un peu plus poussée, malheureusement. Allez, ça va. Pour l'instant, on le laisse. Laisse-le. Il mérite laisse, d'être laissé. Voilà, mais... parce qu'il nous plaît à tous les deux. Mais bien sûr. Euh, Dirt 5, super jeu de voiture. Super euh, jeu de bagnole. On moi, je ne suis pas spécialement je fan de, Mais on n'est pas spécialement fan de jeux de voiture Mais, mais c'est des voitures, quoi. C je suis voilà, désolé, des, mais. Des, des petits camions. Et... Des petits camions. <laughs> c'est trop bien. Non, c'est vachement bien, Dirt 5. C'était cool, Dirt 5. C'était cool, Dirt 5. Il reste pas dans le top, non, mais, euh, mais... mais il reste dans nos cœurs. C'est ça. Et qu'on a envie de jouer. À mon jeu de voiture, c'est un de ceux que. Pas ah des moi, c'est ce que je préfère. Hein. Malgré le peu de place que j'ai sur ma Ah non, 5, mais laisse-le. Moi, je veux pas il que tu pas le désinstalles. Hein. Bah... Je, je vais le streamer d'ailleurs. C'est un signe de, de qualité. De respect. Euh, Disintegration était un mauvais jeu et il dégage tout de suite. Euh... Oui. Non, c'était euh, chiant. C'était ch... chiant, c'était raté. Euh, raté. Doom Eternal n'est pas un mauvais jeu, ce n'est pas non plus un, un bon jeu. Euh, c'est un jeu qui, qui prend un concept extrêmement simple et qui le pousse un petit peu trop loin. Mm -hmm. Et ça en fait quelque chose d'un petit peu trop rigide et un petit peu trop, un petit peu soporifique. Euh, Doom Eternal, on n'a pas trop apprécié et on ne le laisse pas sur cette liste. Moi, ça me fait mal à la tête, donc euh, interdit. Fall Guys. Fall Guys, c'est sympathique, mais mm -hmm. faut pas déconner, quoi. Fall Guys, c'est sympathique, mais il faut pas déconner. Est-ce qu'on peut le laisser pour l'instant Si tu veux. Et, et on en reparle. Fall Guys, c'est pour, pour moi c'est une des, des expériences multijoueurs les plus sympas de l'année. C'est bien. Voilà. Avec <laughs> ce petit Astérix, expérience multijoueur. Hein. C'est euh, ça. Il n'a pas eu des tonnes, mais <laughs> c'était sympa. J'ai beaucoup joué à Fall Guys et je me suis beaucoup amusé. Ouais. On va le laisser pour l'instant. Je laisse également dans la liste euh, Final Fantasy VII Remake. Oui. Hein, qui, qui a été pour moi une excellente surprise. Euh, j'ai démarré cette année 2020 sauf pour les textures de, de Oui, faux, voilà, mais... techniquement il y a eu quelques trucs. Non, mais j'ai démarré cette, cette année 2020 tout à fait prêt à détester le remake de Final Fantasy XVII. Et, et tu l'as pas détesté, euh, finalement. Et franchement, il m'a pris, pris par surprise. Pas mal, hein. euh, et... Il y avait quand même quelques défauts, euh... mm. mais c'était cool. Fuser. Bah, Fuser, c'est très, bien. très, très, très sympa. bien comme jeu, mais bon. Pas... Il reste pas dans la discussion, mais, voilà. euh, mais c'est vrai que c'est une expérience réussie hein, sur le, dans les jeux musicaux. C'est très 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 bonne qualité. Très bonne qualité et mmh. les amateurs de jeux musicaux devraient, devraient le tester. Ouais. C'est évident. Euh, Gears Tactics, euh... mignon, mais bon, euh, voilà, pas, pas le meilleur jeu du, pas le meilleur, même pas le meilleur jeu du genre quoi. Dans même le... pas même pas le meilleur jeu du genre. Ouais, voilà. ça. Euh, on a d'autres jeux tactiques qui arrivent sur sur cette liste. Euh, ben, et comme Desperados. Comme, comme Desperados et comme mmh. d'autres trucs, et dont on va reparler plus tard. Euh, je, je garde sur Exactement. cette liste euh, Genshin Impact. Je sais. Euh, qui qui m'a qui eu... beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Moi, je n'ai pas accroché à Genshin Impact, mm -hmm. mais je n'y ai pas joué. Je t'ai ouais. juste regardé y jouer, et c'est vrai qu'à regarder jouer, ce n'est pas très intéressant. Non, 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 mais Donc, bon, euh, voilà. je ne peux Moi, pas vraiment me prononcer. J'étais agréablement surpris par la profondeur du jeu, des, des mm -hmm. combats, euh, surtout quand tu avances un petit peu, quand tu commences à avoir des adversaires un petit peu plus difficiles et que tu dois jouer sur les, ouais, sur les trucs élémentaires. C'est ouais. intéressant, c'est dynamique. Ça tourne vachement bien sur PS5. C'est vrai. C'est cool. Je te laisse également dans cette liste Ghost of Tsushima. Oh oui. Hein, Qu'on qu a beaucoup aimé tous les deux. Oh oui. Euh, J'ai également dans cette liste Gibous euh, Gibous oui. Gibous, qui est très sympa. C'est toi qui très y a joué. C'est très bien, euh, -ce que, Donc c'est toi qui décides est-ce que ça reste sur la liste euh, ou pas Pour euh... l'instant, oui. Pour l'instant, ça reste sur la liste mmh, mmh, mmh. Ça t'a plu mmh. D'accord. Alors Gibous euh, c'est sur Switch, c'est ce point and click dans, un, dans une ambiance Cthulhu mais rigolote. C'est très très drôle. D'accord. C'est très très bien. D'accord. Euh, alors celui-là on va le virer parce qu'il est pas, il est en early access on va dire, euh, parce que j'ai pris le, j'ai pris la liberté de virer des jeux early access comme comme Baldur's Gate des trucs comme ça. Baldur's Gate tu l'as viré oui. Ouais Baldur's Gate on n'en a même pas parlé, Grand Dead je l'ai mis là mais on va même pas en parler, euh, il est encore en early access. Ouais c'est vrai, il est, il a, il a évolué mais. Il a bien évolué, euh, ils font du bon boulot dessus mais on en reparlera peut-être l'année prochaine quand il sera officiellement sorti. Mm -hmm. Euh, Hades, euh, Hades, on en a déjà parlé dans, dans cet épisode, il va rester sur la liste pour l'instant, ouais. de même que Half-Life Alix. Euh, mmh, c'est est... vrai qu'on y. Bah, ouais. Half-Life ça aussi, toi, tu n'y as pas joué parce que. Je n'y ai la, pas joué la, parce que je ne supporte, je, je supporte ouais. pas la VR, mais clairement, c'est le meilleur jeu VR de loin ouais, de, ouais, ouais, le jeu, de tous les temps. C'est le jeu pour que ouais. les amateurs de VR attendaient. Mmh. et C'est très, très bien, vraiment cool. Haven euh, Oui, on va le laisser pour l'instant, je pense. Ouais, ouais, ouais. Haven, vraiment euh, très, fini, très charmant, hein, mais... très rafraîchissant. Pourtant, il n'est pas long. On devrait, on devrait se prendre, euh, prendre par la main et le finir. Bah, mais très, alors, très rafraîchissant, très sympa. Je vais mais... dire un truc horrible, ouais. et vous allez tous me détester. Comme ouais. d'habitude, ce n'est pas grave. Ouais. Haven, euh, ça me fait le même effet qu'Animal Crossing. C'est trop mignon. C'est trop pour toi, c'est trop positif. C'est trop positif pour moi. Ben bah, écoute, voilà, pour l'instant, il, il... il reste dans la liste. Hein. Mais en même temps, je, je... vous ne comprenez pas, ça me fait de la peine d'être comme ça. Euh, ben nous aussi. Mais j ai, j ai, je pense que les, vous êtes beaucoup plus heureux que moi, les gens, en fait. C'est ça qui me fait de la peine. <laughs> mais, mais voilà, c'est un peu trop mielleux pour moi, entre guillemets. Écoute, pour l'instant, il, il reste. En, il reste. On, on verra bien. Mmh. Euh, celui qui dégage, c'est le euh, Battle Royale d'Ubisoft euh, Hyperscape. Qui est, euh, mais ils ne l'ont pas, pas fermé Mais même s'ils l'ont fermé, on y a joué cette année. hein euh, <laughs> non, non mais je veux dire euh, il, il, il reste assez de monde pour le faire tourner ce jeu je comprends euh, pas ils ont du mal mais, <laughs> mais le jeu existe toujours Hyperscape euh, il dégage Journey to the Savage Planet c'était sympathique mais euh, ça c'était pas mal mais bon pas, pas, ouais, pas au niveau de voilà. euh, ça rentre dans le top pour moi voilà un que euh, qui te plaît beaucoup un de tes petits chouchous hasard, euh, le donjon de Nelbuck et l'amulette du désordre ah oui donc, ça, ça c'est un exemple de jeu tactique qui va rester dans le cadre ah, de Pour moi, c'est largement le meilleur jeu tactique de l'année. Hein. Non, mais tu y as pas joué. Mais tu vois, c'est ça qui m'énerve. Ah, n'as pas sur euh, le truc alors qu'il y a le micro à côté Tu n'y as pas joué pense aux oreilles de nos auditeurs. Tu y as pas joué Ben oui, mais moi, moi l'univers du Donjon Buck, c'est jeu. je m'en je fait fous, toi. Je m'en fous. En dehors de l'univers du Donjon Buck, le gameplay tactique est vachement cool. D'accord, bah écoute, il reste dans la liste pour l'instant. Est-ce qu'on enlève les requins de maniteur Ouais. Bon. J'adore les, les requins, mais maniteur, c'était un peu chiant. Ouais, bon. Microsoft Flight Simulator, euh, j'admire euh, la prouesse technique. Euh, mmh, c'est pas. C'est un peu trop. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui y jouent. C'est un peu trop technique mais en je, fait. <laughs> c'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est trop. 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 Je, je peux pas. Euh, Minecraft Dungeon. Euh, c'était de la merde. C'était. c'était. un jeu destiné aux plus jeunes. Euh, on s'est vite ennuyé. Dis les choses comme elles sont. Comment tu me parles à moi quand tu me parles de Minecraft Dungeon? Je, je sais pas, je vois pas ce que tu veux. Ouais, dire, voilà, hein c'est ça. Ouais. Après, Minecraft tu t'étonnes que les gens ils me, ils me détestent et ils ben t'adorent. Voilà, ben exactement. <laughs> moi, je, je, suis, je, je suis la voix modérée de ce podcast. Minecraft oui. Donjon, c'est un jeu qui a des bonnes idées, des bonnes bases dans un univers oh qui est très populaire. Malheureusement, malheureusement, le jeu ne parvient pas à concrétiser ses bonnes idées mais et n'offre pas suffisamment de variété pour garder le joueur intéressé suffisamment longtemps. Oui, en gros, c'est de la merde, quoi t'as chié Allez, <rire> <dégage>. <rire> je veux dire au bout d'un moment c'est alors euh, moving... moving Out on avait bien rigolé mais euh, oui bon, c'est mignon mais bon c'est pas non plus c'est mignon c'est multijoueur, si vous avez des potes à la maison c'est parfait euh, mais ça ne reste pas dans la liste. Murder by Numbers euh, reste, dans, euh, la oui, liste ça pour reste dans la liste. Euh, excellent personnage, excellente musique. Euh, c'est bon, ok, c'est un jeu de Picross, mais le Picross c'est cool. donc euh, Non, mais l'histoire voilà. est bien quand même. Il n'y a pas que le Picross. C'était vraiment, vraiment sympa, vraiment mignon. Et, ouais. peu, peu, peu. et ne serait-ce que pour encourager les gens à refaire des Phoenix Wright, euh, je, mm. je laisse le jeu dans la liste. Non, non, et puis euh, le, la bonne dose de mignon pour moi, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, ça, ça mignon, te... mais il y a des meurtres, donc ça va. Mignon, mignon avec du sang. <laughs> C'est ça. Euh, Nioh 2, on n'y a pas assez joué à n'y a pas assez joué. on n'y a pas assez joué. Il dégage de la liste, pas pour ses qualités, mais parce qu'on n'est on pas, on, on pas équipé pour le juger. Euh, C'est un jeu qui m'a fait, fait un petit peu trop peur. Euh, bah, c'est un jeu qui ressemblait beaucoup à Dark Souls. Ouais, c'est dans cet esprit-là. Donc, du coup, t'as dit non, je, je viens de finir Sekiro, il... je peux pas. quoi. Voilà, il faut que je sois vraiment dans un, fini, dans Sekiro, un, mais... dans un état d'esprit. Merci de le rappeler. Euh, il <laughs> faut vraiment que je sois dans un état d'esprit particulier. Tu le finiras pour ces en stream Sekiro, que... non Non, absolument pas. Ouais. Certainement pas. Non, c'est sûr que tu, tu, tu pars sur un jeu qui va être difficile. Et, ouais. et voilà, donc c'est. Voilà, Hori on euh, the Wheel of the Wisps. Euh... Moi, je n'ai pas assez vu ça non plus. Je suis ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est un jeu qui a l'air, je, je vais le virer en fait, euh, c'est un jeu qui a l'air très sympa. Euh, le premier Ori était dans mes top 10 euh, facilement. Là, le deuxième est très proche du premier. Euh, avec, euh, trop bon, proche du premier Pas, pas forcément trop proche, il hein, y a beaucoup de nouveautés, on va pas, hein, je ne vais pas dire que c'est le même. Mais, euh, mais voilà, c'est plus de Hori. Euh, c'est un jeu qui est sorti. Il faudrait que je rejoue parce que quand il est sorti, il y avait des problèmes de, de bug et de performance. Oui, ça Sur, ça ramait, euh, non sur Xbox One X, c'était mmh. un petit peu décevant Là, techniquement, il est parfait. Il euh, faut, faut s'y remettre. C'est un, un jeu sur série X qui tourne. Tu as, as plusieurs choix. Tu as le, soit le choix en 4K 120 images par seconde. Ah oui, quand même. Soit, euh, 60, images, euh, soit 60 images par seconde en 6K. Euh, donc euh, voilà, c'est très performant, ça, ça marche plutôt bien quoi. Paper Mario, euh, The Origami King est très bien écrit, très sympa, mais euh, voilà, c'est pour les, c'est un petit peu pour les plus jeunes, c'est un petit peu trop simple pour moi. Euh, c'est un petit peu trop lent également, ça met du temps à, à démarrer et, oui, et à ça, devenir intéressant. Très enfantin, effectivement, euh, ça, ça voilà. marche, ça marche bien pour les plus jeunes. Donc euh, j'apprécie ce qu'ils font, mais c'est non, euh, ça, ça sort de la liste. Euh, un qui reste dans la liste, hein, de, un de mes coups de cœur de l'année, euh, ça a été euh, Paradise Killer. Ah oui. Euh, ça, ça c'est un jeu qui est sorti complètement de nulle part. Euh, c'est un jeu, j'ai vu un jour une bande-annonce et sur un coup de tête, j'ai dit, bon, bah, viens, on teste ça. Mais en plus, c'est le jeu le plus moche le jeu que personne n'a jamais vu. Visuellement, euh, dégueulasse. C'est dégueulasse. Et en fait toute la partie euh, roman visuel et ouais, les personnages et histoire bah, personnages histoire, etc ça rattrape tellement ouais. que le fait que le jeu soit pourri mais tu t'en fous ouais, ouais, le donc jeu... quand même c'est une bonne performance ça exactement <laughs> les, les personnages sont tellement incroyables tellement mmh. originaux l'histoire est L'histoire est super. Euh, est la, la construction du jeu dans, dans, dans lequel tu vas mener une enquête et, et, et arriver à ta, à ta conclusion. Et ça fait un truc. Et la, et la fin, alors c'est le type de fin qui ne plaît pas à tout le monde, mais que moi j'aime bien, c'est la fin ne euh, te dit pas si tu as raison ou pas. Oui. Et ça, je trouve ça. Moi, j'aime bien euh, les jeux d'enquête qui te disent ça. C'est bon, voilà, tu as rassemblé tes preuves. Tu dis que c'est lui qui est. Euh, mmh. C'est lui le coupable, et bah c'est lui le coupable, c'est toi qui as décidé euh, et tu, tu arrives à ta propre conclusion. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant de te laisser réfléchir à ce point là et pas te dire non non tu t'es trompé parce que t'as raté cet indice. Ouais c'est sûr. Je trouve ça vraiment cool. Paradise Killer, une musique incroyable. C'est euh, vrai. Malheureusement, uniquement en anglais. Ah, oui. hein, c'est vraiment ce qui va freiner ce jeu en tout cas pour, pour beaucoup de gens qui nous écoutent pas pour nous mais effectivement pour pas mal de gens mais, hein. mais, mais voilà, euh, Paradise Killer n'est dispo qu'en anglais mais euh, si vous maîtrisez un petit peu la langue c'est une expérience vraiment vraiment unique euh, le prochain jeu, je, alors je le sors de la liste ah. euh, mais uniquement parce que qu'on va considérer qu'il est hors concours parce que sinon il va gagner c'est euh, Persona 5 Royal Ouais, c'est hors concours et euh... ça gagne pas. Ça a déjà gagné il y a deux ans, donc c'est bon quoi. Ouais, ça ouais. énerve azar. ça. Aime ça ouais. Alors tu vois, tu... attends, après as dit que je fais pas de concessions. <laughs> non, mais au bout d'un moment, il faut pas exagérer. Persona 5 Royal. Déjà, attends, Persona... c'est qui qui fait des concessions hein Là, c'est moi. Hein. On a fait Final Fantasy XIV tout à l'heure. Excuse-moi. Hein. Persona 5 Royal euh, est, est la meille... meilleure version de Persona 5. Il est disponible enfin en français. Mm -hmm. Euh, ça c'est important pour, euh, pour encore une fois tous les gens qui, qui cherchent à jouer au jeu en français. Non, qui... mais c'est cool, je dis pas que c'est pas bien, mais il a déjà gagné le jeu de l'année 2018 de la Belle Gamer, donc on peut pas tout faire quoi. C'est. Euh... Oui, voilà, c'est ça, il a déjà gagné <laughs> en 2018. Euh... 2017, je sais plus. 2018. Tu sûr Ouais, à peu près. Euh, non, je suis pas sûr. Non, Bref. 17, 2017, 2017. Il faut savoir que voilà, Persona 2018, 5 a déjà été le Red jeu Dead. de l'année. Euh... C'était Red Dead en 2018. Et en 2019, c'était Control. Possible. Ouais. Donc, Persona 5 a déjà été le jeu de l'année pour la, la belle gamer. C'est quand même, ça vous dit à quel point on aime ce jeu. Ça, c'est une vrai. version améliorée avec des trucs en plus et en français. Mm -hmm. C'est vraiment un, c'est vraiment un incontournable. Ah oui, si vous n'y si vous n'y avez jamais joué. Euh... Alors c'est rigolo parce que on, on enregistre, on enregistre ce podcast en direct. Euh, moi, j'ai mon téléphone à côté qui et sonne qui sait de temps que en temps. Et qui t'envoie des trucs. Et, et, et je reçois des des tweets. Euh... De qui bah, De plein de gens. Tu vois, il y a des gens qui nous envoient des Twitter. Là, il y a au moment où on enregistre ça, 17h48, euh, on reçoit un, un tweet de Jen, fidèle auditrice, qui, qui nous dit J'ai craqué, c'est reparti pour une nouvelle partie. Et pendant qu'on en parle, elle, elle, elle joue à Persona 5 Royal. <laughs> Donc voilà, c'est bien, c'est bien jouer à Persona 5, c'est indispensable. Euh, tu n'avais pas aimé, on continue dans le classement, tu, tu n'avais pas aimé Rimozard, Broken Porcelain, euh, c'était un peu raté comme jeu d'horreur. Hein. <laughs> Euh, très buggé. Ouais, 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 ouais. c'est dommage. Euh, c'est dommage. Ouais. Resident Evil 3 était sympa. Plus sympa que ce qu'on pensait. Plus sympa que ce qu'on pensait, ouais. mais moins sympa que le 2. Mais moins sympa que le 2. Mmh. Euh, on, on le vire tout de suite de la liste Je pense. Hein euh, c'est un excellent jeu. mais C'était euh, très pas, bien, mais ça ne rentre pas dans le top. Va pas dans le top mmh. 3. Euh... On fait un top 3. Enfin, un top top 10. 10, pardon. Il fait un top 10, pardon. Ça fait peur. Shady Part of Me. Ah oui, ça c'est un, ah oui, oui. un coup de cœur récent de hasard. Oh, euh, ouais. re... D'accord, bon, ça va. Il chez... reste. Il reste, il reste, ok. Shadow Part of Me, il bouge pas du... du, du non, de... Shadow Part of Me, c'est très bien. OK. Euh... J'ai un petit problème de longueur sur le jeu, j'arrive pas à le finir, en fait. Ça me... ouais. Il est un peu... OK. En fait, l'idée, vachement bien, l'environnement, c'est est très beau, c'est très bien. Euh... Toute la... Euh, le, le, les métaphores du jeu, tout ça, mmh, mmh. c'est incroyable. Okay. Euh, après, j'ai juste peur que ce soit un peu long, en fait, au bout d'un moment, ça... En fait, hier, je me suis dit, je m'y remets, je vais le finir. Ouais. Et non, en fait, c'est super long et, et, et ça, ça, ça me saoule, en fait. C'est un, un jeu qui marche bien en petite dose, mais... Euh... Voilà, donc je, je me suis... Je, 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 je... Ok. Non, j'arrive pas à... En fait.. L'histoire qui est derrière n'est pas assez présente dans l'avancement des puzzles et du, de, du chemin, hein, parce que c'est un, un chemin qui est fait au fur et à mesure par le, par le personnage et son ombre, en fait. Mmh. Et, et du coup, euh, c'est super, c'est vraiment bien, mais le, la partie puzzle prend un peu trop le pas sur la partie euh, histoire et, 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 et identité visuelle du jeu. Ouais, J'aurais Je, okay. fait un jeu. Tu, j'aurais fait un jeu plus court ouais. avec euh, comme ça mais avec un petit peu plus d'histoire en fait que l'histoire soit un peu plus intégrée comme elle est au début qui est, que ouais. soit plus marqué dans les environnements et, et voilà je sais pas ok je le laisse quand même dans le laisse le oui. je laisse pour l'instant mm. euh, song of horror ah oui un petit mot pour song of horror qui est incroyable ouais, ouais, qui est... meilleur jeu d'horreur du monde entier vraiment vraiment réussi ah oui bah, du monde entier peut-être pas le monde entier il Non, tu comprends pas. En fait, pour moi, personnellement, ouais. c'est un, un jeu qui est incroyable parce que moi, ce que j'aime dans les, dans les films d'horreur, dans les jeux d'horreur, dans tout ce que je pense de, de, de l'horreur, de la hantise, etc., c'est le truc d'avoir... Un... Tu as ton personnage, tu es en train de marcher et puis il y a un... Il y a un fantôme qui passe derrière, il y a un, y a un, oui, un truc. Oui, mais ça, c'est classique, ça, c'est un peu cheap même. C'est un peu cheap de faire ça dans un jeu vidéo Bah oui. Bah écoute, j'ai jamais vu. J'ai bah jamais oui. vu fait correctement. Ouais. Donc, euh, c'est. Classique, quoi. Exact. Alors, c'est complètement classique. Ça n'est jamais arrivé d'être fait euh, avec une qualité extraordinaire comme le fait Song of D'accord. Voilà. Bah écoute. Et c'est ça, le, Moi pour moi, l'horreur et le film d'horreur et le jeu d'horreur, c'est du classique, mais il faut que ce soit fait parfaitement. Voilà. Et okay. là, ça marche. Ok, ok. Bah écoute, euh, Song of Horror reste dans la liste pour l'instant. Euh, pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Spelunky 2. Non. Spelunky, quoi C'est vachement bien Spelunky, mais c'est trop dur voilà. pour nous. C'est toi. <laughs> trop dur pour toi. Oh, non, bah, attends. Attends, euh, ça 2. va, t'es allé au deuxième niveau, tu vas pas me la faire. Et toi, t'es allé au deuxième monstre et alors, c'est pas comme si tu avais fini le jeu. Ah non, mais j'ai pas, j'ai pas passé le temps, mais. Non, mais voilà, voilà c'est trop dur. C'est, ouais. un peu pour, pour les masos. Spiderman, mine's Morales. Euh, très bien, mais exceptionnel. Ouais, en, très joli. Qualité technique. Belle façade technique pour la PS5. Après. Euh... Voilà, Après, moi je, le sors, je, je sors du top. Tu hein. le sors du top ouais, toi complètement. Pour l'instant, je le laisse un petit peu. C'est hein. laisse le laisse-le un petit peu, mais pour moi, c'est plutôt une extension de, de Spider-Man qu'un jeu à part entière. Voilà, c'est très itératif par hein. rapport ouais. à ce, au premier Spider-Man. Ouais. Euh, mais bon, bon, écoute, on, on en reparlera. Euh, Spiritfarer reste dans la liste. Mm -hmm. euh, vraiment une super histoire, un très, oui. très, joli, très joli voyage. Euh, oui. Des super personnages, des jolis thèmes. Euh, c'est vraiment réussi. Euh, Star Wars Squadron était une bonne expérience en VR, euh, mais sans plus. Hein, euh, on va pas le garder. Street of Rage 4, toi, tu avais, tu avais passé un peu de temps dessus euh, côté baston. Euh... C'est très, 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 très bien. Tu es notre référente officielle Street of Rage. C'est donc... ça. Non, c'est, un super jeu Street of Rage. Ça, mm -hmm. euh, ça reste très fidèle euh, au. Au jeu des années 90. Et mmh, ok. Et c'est très bien fait. C'est à la fois un super nouveau jeu et un, un jeu qui garde des, des, des choses qu'on connaissait, des anciens jeux. Donc c'est vraiment parfait ouais. pour ce genre de jeu. Mais après, euh, c'est un super jeu de baston. Euh, mais. Il n'est pas dans ta liste. Quoi. Mais pour moi, il, je, je l'adore, hein, mais mmh. ce n'est pas dans ma liste parce que. Parce que, objectivement j'ai besoin de plus d'histoires pour que ce soit. Allez. que ce soit haut dans la liste quoi mais c'est un, un excellent jeu ok euh, un jeu qui est qui a plus d'histoire par contre c'est Tell Me Why ah oui euh, le... alors Tell Me Why c'est cool parce que c'est le jeu épisodique réussi dans le sens où il n'y a pas d'épisode un... si il y a des épisodes si, a... ah oui il y a trois épisodes trois épisodes mais... sortis <laughs> chacun à une semaine d'intervalle ouais, voilà, donc c'était coup... un super rythme <laughs> c'était un super rythme et euh, et, et vraiment sympa euh, avec des bons personnages, euh, c'est la formule de, de, de Dontnod mais, euh, mm. mais mais bien perfectionnée ouais. et, euh, et on a on a beaucoup aimé. Pour l'instant, on va le laisser dans la liste. Euh, The, The Last Campfire de Hello Games. Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais je comprends que ça reste pas dans la liste. Ouais. C'est super mignon, mais bon, voilà, c'est je sais pas. Ouais, non non voilà, c'est moi une... j'aimerais bien en voir un peu plus en fait parce qu'on n'y a peut-être pas assez joué voir comment il pousse l'histoire mais, ouais, après mais écoute, ça reste bah je pense que t as, t as, ça vu, reste un petit jeu tu as ouais. vu les grandes lignes du ouais. style de jeu c'est très sympa c'est des puzzles vraiment agréables mais c'est peut-être pas' peut pas gardé dans le top mm. euh, the last of us part 2 pour l'instant va rester dans ce top mm -hmm. euh, qui voilà c'est quand même c'est bah, le jeu des, des, des auditeurs Déjà, et, et, et même si on a même si on a des choses euh, même, même si on trouve des choses à y redire euh, ça reste quand même un euh, une, une très grosse expérience de l'année bien sûr euh, The Signifier toi t'avais oui. bien plu oui. euh, ben, The Signifier euh, c'est vraiment ce que j'aime en, en thème en façon de raconter l'histoire en voilà c'est j'aime beaucoup 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 Ok. Vraiment. Mais après, effectivement, il y avait des problèmes de gameplay. Il y avait des lacunes, ouais. Il y avait des problèmes de gameplay et le jeu euh, s'arrêtait abruptement, vraiment, par rapport à, à l'histoire. Mm -hmm. Donc, du coup, ouais. euh, ça, ça, que... ça, ça faisait une impression de pas fini. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de thème que, que j'apprécie particulièrement. Mm -hmm. Est-ce Est que tu veux qu'on regarde dans cette liste ou... bah oui. Allez, okay. Non, mais je sais pas. Ouais. Je sais pas, moi, j'y tiens pas spécialement. Ben moi, oui. Euh, the, the Suicide of Rachel Foster. Non, euh, non, 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 ça c'était dramatiquement ça, euh, dramatique. Euh, c'était bof. Euh, the Tourist c'était très sympathique, mais, euh, mais voilà, c'était mm. mignon. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, et on va le laisser dans la liste pour l'instant, Tokyo Mirage Session. Oui. Euh, on y avait joué en tout début d'année sur, euh, sur Switch. Mm. Euh, C'est un jeu Wii U qu que j'avais raté à l'époque, et vraiment c'était une ambiance très sympa. On très avait sympa. passé pas mal de temps et mm. très très appréciable. Euh, donc, on va, on va le garder pour l'instant. Euh, J'enlève de cette liste Trails of Cold Steel 4. Euh, que ouais, on n'a pas, pas, pas eu le temps de pousser suffisamment on pas poussé, pour, euh, et... pour voir bon... la qualité du scénario. Mais c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans cette histoire à partir du 4. Euh, nous, après, c'est notre faute ou, ou pas. Euh, on a pas. On n'a pas d'historique sur Trails of Cold Steel, on n'a pas joué au précédent. Donc, c'est vraiment une histoire établie et tu rentres en plein milieu oui, de Oui, mais après, là, moi, hein. j'avais bien lu tous les trucs pour ouais, et ouais. le comprendre, etc. Mais mais euh, en fait le, le, le principal reproche qu'on avait c'était vraiment sur le sur le visuel du jeu qui est, qui est très old school en fait ouais. hein, euh, et qui donne pas envie de se qui de donne rentrer, pas envie de parce dedans, que, ouais. parce que c'est moche ça, ça fait vraiment jeu de notre temps en ouais, fait. Ouais. Voilà on revient sur Dontnode avec Twin Mirror qu'on n'a pas fini on n'est pas allé assez loin pour parce que là il faudrait vraiment voir l'histoire en entier oui mais de ce que j'ai vu pour l'instant s'il faut choisir entre Twin Mirror et Tell la question se pose pas la question se pose pas Warcraft 3 Reforge est un scandale honteux qu'on supprime de cette liste avec rage joyeusement non tu vois la différence entre toi et moi toi tu supprimes avec rage moi je supprime avec joie. Oui mais toi c'est faux cul et moi c'est vrai. Non non je suis vraiment heureux de l'avoir supprimé. Euh, West... <laughs> Westland 3 euh, là aussi c'est... Euh, J'ai pas niveau. envie de le supprimer Westland ouais, ouais, 3 c'était vraiment bien. Il n'est pas question de le supprimer je te... Mais on n'y a pas assez cool. joué pour voir l'histoire complète en fait. C'est un jeu très très long euh, mais... C'était vraiment sympa. Mais voilà, le... vraiment le bon mélange de jeu de rôle de et de, de tactique ouais, euh, c'est cool. Watch Dogs Legion euh, mmh. est un jeu bourré de lacunes qui l'empêche de rester dans ce top euh, on le dégage Non, c'est pas un bon jeu malheureusement. On n'a on a pas passé suffisamment de temps sur la nouvelle extension de World of Warcraft, Shadowlands, pour, Alors, un, pour en parler. On va quand même dire deux mots de, de ouais. World of Warcraft, parce que visiblement, les joueurs de Warcraft sont assez satisfaits de cette extension. C'est ce que tu me disais la dernière oui, fois. Oui, ce que je dis avec, euh, avec mes fiances quand même. Parce Alors que, euh, que nous, euh, on a eu du mal à se mettre dans l'extension. Ouais mais je et... crois qu'on a un a priori sur World of Warcraft. On commence à vraiment à... Et en fait, moi ce qui m'a dérangé dans cette extension, c'était euh, du coup la répétition des quêtes euh, basiques de Warcraft euh, à chaque fois que tu arrives sur des sur une nouvelle série de quêtes, ça va être va tuer 10 trucs, va ramasser trois trucs et fait machin. Voilà, voilà. aucune euh, aucune originalité dans le euh, dans les quêtes et ce que tu as à faire dans les quêtes c'est exactement toujours 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 la même chose et ouais. moi ça ça m'a vachement déçu et, et je trouve que du coup le pexing de, de, de cette nouvelle extension me donne pas du tout envie parce que tu fais exactement la même chose que depuis mmh. 15 ans ouais. et c'est le il n'y a aucun effort sur euh, ouais, non, le, créer le, un peu d'originalité euh, sur, sur les quêtes. L'effort a été mis, euh, comme à chaque extension, finalement, dans des nouveaux systèmes de jeu comme, euh, comme les Covenants, les machins, les trucs comme ça, euh, ouais. qui, qui vont être des systèmes de jeu qui sont dédiés à cette extension et que tu vas complètement, 100%, abandonner euh, à la prochaine extension. Mm. C'est un cycle qui se répète et qui, est, euh, qui, est, qui commence à voilà, avoir donc, fait son euh, temps, pour nous en ouais. tout cas. Euh, bah, c'est vrai. Je suis que... content que les fans de World of Warcraft aient du contenu. Non, mais pour attends, avoir... moi j'ai envie de continuer parce ouais. que après aussi, c'est vrai que Warcraft c'est quand même aussi un jeu bah, de combat et que et, et que c'est vrai que si tout le monde dit que les, les classes sont super bien équilibrées et que c'est intéressant d'aller faire des donjons, des raids, etc. Pourquoi pas Mais mmh. c'est vrai que c'est un, il un... bah, y a un autre aspect au jeu qui est l'aspect histoire et que qui me manque en fait. J'aimerais bien avoir les deux quoi. Ouais. Donc j'ai envie de pousser plus pour voir ce que ça donne vraiment à haut niveau et et, et voilà, mais c'est vrai que voilà, niveau quête et pexing, etc. C'est rébarbatif mm -hmm. pour moi. D'accord. Voilà. Ok. Euh... Bon, je l'ai Enlève-le, enlève le on, ouais, les bleu, on y a pas ces hein. euh, Moi, alors là, dans cette liste, il reste mon jeu tactique préféré de l'année, ça a été XCOM, Camera Squad. C'était très sympa XCOM mais bon pas très original quoi. Non pas très original mais bon c'est moi ça m'a écoute ça m'a plu. Après il est pas il est pas dans ma liste hein, mais s'il faut revenir à tactique cette année c'était celui-là pour moi. Ah bon tu préfères XCOM que Desperado. Ouais. D'accord. Ouais, ouais non j'aime bien la façon dont c'est présenté j'aime bien je me suis vraiment pris dans les dans les mécaniques de jeu. Ben, je euh... crois que moi en fait personnellement je préfère qu'il y ait une histoire autour. Ouais, ouais, que l'univers que... soit plus intéressant, donc je vais préférer quelque chose comme Desperados, euh, ouais. donc Buck ou, ou Westland avec tout, euh, tout le RPG derrière. D'accord, bon, mais écoute, écoute, je l'enlève. Mmh. Euh... Moi personnellement. De toute façon, la liste, la li... bon, on arrive à la fin de la liste qui est encore un petit peu trop longue, donc on va oh, en, oui. en enlever pas mal. Mmh. Euh, Yakuza Laika Dragon, est-ce que je le laisse ou est-ce que je l'enlève Devine. Bon, d'accord, ça va, on va laisser Yakuza. Euh, voilà, écoute, on a une liste beaucoup trop longue encore, réduite. Bon, alors, donc... Euh, il nous reste Animal Crossing New Horizons, Assassin's Creed Valhalla, Astros Playroom, Call of the Sea, Cloud Punk, Desperados 3, euh, Fall Guys, Final Fantasy VII, Genshin Impact, Ghost of Tsushima, Gibus, Hades, Half-Life Alix, Haven, Albuck, Murder by Numbers, Paradise Killer, Shady Part of Me, Song of Horror, Spider-Man, Spirit Ferrer, Tell Me White, Last of Us 2, Signifier, Tokyo Mirage Session, Westland 3 et Yakuza Like a Dragon. Il faut virer plus de la moitié de ces jeux. -là. Alors Astros Playroom, tu peux l'enlever Ok, allez, Astro's Playroom, on, on a dit ce qu'on en pensait, c'est vraiment Sp euh, très charmant, mais ça ça s'en va. Spiderman, tu peux l'enlever uh, oui, oui, chef. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ouais, c'était ouais, plus non, un... Voilà. Euh... Euh, 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 Cloudpunk, je vais enlever Cloudpunk. Oh Écoute, est simple. Mon... Il n'est pas dans ma liste de 10, mais il est vraiment pas loin. Quoi. Écoute, il n'est pas dans la mienne non plus, donc il y a peu de chances qu'il remonte à la surface. Euh, bon, ça va enlève Cloud Punk, mais ça me fait de la peine. Ben oui, mais ça me fait de la peine aussi, mais bon. Non, mais ça, fait... ça me fait plus de peine que. Euh... Cloud Punk, j'ai pas été très fan du gameplay. Euh, oh. J'adore l'univers, mais... les graphismes et l'ambiance. Oui, euh... oui, le gameplay était un peu lourd. Tu te prenais les immeubles dix fois par truc. Je voilà. sais. Euh, le, le pilotage okay. du taxi était pas, était pas top. Ouais, euh, ça, euh, ça va. C'était pas forcément. Euh... Euh... Qu Qu'est-ce euh... Qu que tu voudrais virer Je me rappelle hein. plus. Euh, Assassin's Creed Assassin's Creed, tu virais Assassin's Moi, Creed. Moi, je vire Assassin's Creed. Désolée, mais... Je suis désolé, mais je vire Assassin's Creed. Il euh, y, y a beaucoup trop de jeux. Il y a, a d'autres, les autres jeux sont bien meilleurs. Voilà. Bah écoute, si on vire Assassin's Creed, par contre, on peut commencer à virer d'autres trucs. Euh... Bien sûr. Vas-y, oui, redis-moi. Euh, J'aimerais enlever gibous Oui, tu peux enlever Ghibous, qui est ah. un très bon jeu, mais. Ah. Voilà. Écoute, à ce stade-là du truc, les jeux qu'on enlève sont plutôt corrects. Ils ont donc une peux, certaine reconnaissance. Peux, tout à fait, tu peux enlever Gibous. Euh, j'ai envie d'enlever Gibous, j'ai envie d'enlever Haven. Oui, tu peux enlever Haven, euh, il n'est pas dans ma liste de 10 non plus. Qui est, qui est très charmant. Euh, tu peux enlever Shady Part of Me. Ok. Que, qui était très proche de ma liste de 10, mais qui n'est pas dedans. Mais, mais qui n'a pas, pas, pas passé le cap. Le cap. Mmh. Il n'a pas passé le cap. Euh... qu'est-ce qu'on a d'autre Tu peux enlever euh... Tokyo Mirage Session pour moi qui était un très bon jeu mais de là à rentrer dans la liste de 10, c'est un peu trop particulier. Euh... allez, écoute. Malgré les qualités du jeu. Je te propose d'enlever Tokyo Mirage Session. Je te propose d'enlever Fall Guys. Oui. Et je te propose d'enlever Des d'Esperado's 3. Oui. Écoute, on a Exactement. déjà fait, On a déjà fait un petit qu peu Qu'est-ce qui reste Animal Crossing, Call of the Sea, FF7, Genshin Impact, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Nalbuck, Murder by Numbers, qu'on va enlever. On va enlever Murder by Numbers, je suis d'accord, c'est pas dans ma liste de 10 non plus, c'était très très bien, mais c'est pas loin non plus. Ouais, ouais, qui est très très cool. Les musiques étaient top. Ah non, mais tout était top en fait. Murder by Numbers, c'est un peu spécifique sur le Picross en fait. Est-ce qu'on peut avoir. La, la musique de, meur, de, de, de Murder by, by Numbers. Oui, est-ce que, est je... que tu m'autorises euh... C'est. Je vais voir si je peux, si on arrive à la faire marcher. Ouais, c'était vachement bien. C'était trop bien. Oh. Voilà, tu fais le picross sur, euh, sur cette musique. Euh... <laughs> tu... C'était vraiment bien. Ça. Voilà, ça c'est positif, mais avec des meurtres, donc c'est parfait. Donc c'est nickel. c'était très très cool. Euh, Murder by Numbers, donc euh, supprimé de la liste. Le... Ça commence à me faire de la peine hein, à chaque fois. Eh oui, mais bon, c'est... Donc ensuite, euh, Paradise Killer, Song of Horror, Spirit Fire, Tell Me Why, Last of Us 2, Signifier, Westland 3 et Yakuza. Euh, moi, perso, tu peux enlever Westland 3 parce okay. qu'on n'y a pas assez joué pour, pour moi, pour voir l'histoire complète. Et, okay. et voilà, okay. malheureusement. Okay. Il n'est euh... pas dans ma liste. <laughs> D'accord. Euh, après, moi, j'enlèverai euh, Final Fantasy VII. Il euh... passe pas. Il passe pas ma liste. Désolé. Bah, il ne passe pas ta liste, mais il passe la mienne. Ah. Il passe la mienne. Final Fantasy VII est même plutôt bien placé dans ma liste. J'aimerais le garder pour l'instant. Ah, D'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Ouais, ouais mais du coup, euh, toi, la moitié des trucs qui vont pas être sur ta liste. Quoi. Là, tout, tous les jeux qui sont là sont soit dans ma liste, soit dans la tienne. Okay. Voilà, là on commence à arriver sur, sur le... Bon, c'est quoi le, le, final. Le, le dixième de ta liste euh, Le dixième de ma liste, euh, et je sens qu'il va pas survivre, euh, mais je, que je t'échange contre le dixième de ta liste. Mais malheureusement, oui. Ça va, ça va être comme ça. C'est Lost of Us 2. Euh, tu peux la... The last of Us 2 n'est pas dans ma liste The last of Us 2' euh, est est... pas loin mais pas dans ma liste c'est un jeu qui m'a qui, qui m'a déçu à plein de niveaux euh... qui était enfin, qui est un très bon jeu hein, ouais, mais ouais. Qui, a... ouais, qui, a... qui effectivement qui nous a qui provoqué des déceptions c'était euh, super c'était une super histoire c'est j'aime bien les risques qui ont été pris au niveau de, de la présentation du scénario de... De... Mm. et du scénario lui-même. Euh, les personnages sont cool les performances alors performances et techniques c'est oui euh, oui évidemment c'est sans égal dans, dans, dans l'industrie tout à fait euh, c'est incroyable la prouesse technique du truc euh, je suis pas sûr que manette en main ça soit un jeu passionnant à jouer euh, mm. c'est et puis alors je vais balancer ce que tu me dis en, en off quand même parce mm -hmm. que parce que faut mettre les choses à leur place euh, ce que tu m'as dit en off et point sur lequel je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est qu'au niveau scénario, euh, The Last of Us 2, cela joue un peu. Ah oui non voilà c'est un petit peu le scénario est un petit peu prétentieux. Non non je voilà. pardon c'est pas pas c'est pas que j'ose pas le dire en podcast hein, c'est parce que c'est un oubli mais je trouve le scénario de The Last of Us 2 euh, un peu prétentieux un, un peu prétentieux mmh. un petit peu prétentieux euh, je crois que les termes que j'ai utilisés c'est que parfois il pète plus haut que son cul. C'est ça. Euh, ça. Ça se veut ultra sérieux euh, et c'est ça fait un peu c'est un peu faux parfois. Oui c'est ça. Alors alors que le premier The Last of Us était beaucoup plus juste. C'est vrai, on est tout premier à fait d'accord. Premier The Last of Us était beaucoup plus juste je trouve euh, et la relation entre Ellie et Joël était vachement plus intéressante que, que tout ce qui se raconte dans The Last of Us 2. Ouais euh, là là ça devient euh, euh, caricatural presque en fait. C'est ça c'est voilà. ça. Exactement. Ouais. Ils se sont tous assis autour d'une table et ils se sont dit bon, qu'est-ce qui pourrait leur arriver de pire Oui, voilà, c'est ça. C'est. Ouais. Bon, The Last of Us 2, The désolé. Of Us 2, désolé, euh... les auditeurs. C'est. Non, mais écoute, euh, encore une fois, je respecte les qualités du jeu et, et je, suis, je suis content qu'il y ait autant de gens qui, qui, qui l'aient apprécié. C'est quand même un jeu qui. qui... Non, mais c'est quand même un très bon jeu, comme tu dis, techniquement ouais, ouais. Et, et au niveau des performances d'acteurs, c'est incroyable. Ouais j'ai pas aimé l'épilogue euh, la dernière ça. partie du jeu était, était trop long et apportait euh, y, y a apporté des conclusions qui m'ont pas plu mm. euh, voilà. euh, donc on, on enlève également The Signifier qui est, euh, mm. qui est tout en bas de ta liste. <laughs> écoute si tu veux on aura de nouveau la description l'année prochaine quand, quand il y aura le director's cut sc... mais okay. the, ce, the Signifier a des non, grosses je lacunes scénaristique, et gameplay on, il Voilà, pas fini c'est pas, voilà, pas possible pas possible. Qu'est-ce qu'on a On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jeux sur cette liste. Il faut en supprimer 3. Alors, c'est lequel le 9 de chez toi euh, mon, mon 9e, c'est ton 9e. Euh, c'est Spirit Fairer. Oh non, 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 je mets. Pas, je mets non, non. non, non. Non, non, tu me vires Final Fantasy VII. Je ne veux pas enlever Spirit Fairer de la liste. Ça ne va pas ou quoi Bah écoute, on n'enlève pas Spirit Fairer dans la liste. Hein. C on, on, écoute, on va bon alors attends on parce que continuer. là il reste qu'est-ce qui reste en fait Animal Crossing Call of the Sea Final Fantasy VII Genshin Impact uh, Ghost of Tsushima ouais, oui. Hades Half-Life uh, Alyx dont j'en ai bug par Hades enlève Half-Life Alyx c'est trop, trop spécifique Song je suis of horror, War, Spirit Spiritfarer Tell me, me Why et Yakuza la quête dragon écoute si je t'en donne, si donne un tu m'en donnes un non 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 <laughs> non non Half-Life Alyx c'est trop spécifique on peut pas je, je c'est mon point de vue c'est ça j'essaye de pas m'énerver tu vois je... ne, ne t'énerve pas mon point de vue, c'est que un jeu uniquement destiné au VR, c'est trop spécifique pour être dans un top de jeux de l'année. Bah écoute, si tu veux, mais euh... j'ai déjà passé sur Final Fantasy XIV, donc tu me viras à Flappy mais direct. Non, mais sérieux. Hein. Ouais, mais il va falloir que tu m'en donnes un. Hein. Mais je m'en fous. Enlève. À... Attends, il reste Genshin okay. Impact, Animal Crossing et, et Final Fantasy VII. ces trois jeux qui ne sont absolument pas dans ma liste. Bah tu même toi aussi tu as des jeux qui sont pas dans la mienne hein, je, et j'en fais pas j'en fais pas un fromage. Non hein mais je m'en fous. Tu as commencé cet épisode <laughs> en me disant qu'il fallait que je sois tolérant avec les jeux auxquels tu as joué et tu n'es pas tolérant avec les miens. Je, c est, c est, c est, c est non mais c'est hein. juste que Half Life: Phallix, pour moi c'est trop spécifique parce que c'est un jeu VR. Ok et si... okay. qu'est-ce qu'on enlève d'autre Il en faut deux autres. Bah, Animal Crossing et. <laughs> ouais non voilà. non. Final Fantasy VII. Non Final Fantasy VII ne sort pas du classement. Final Fantasy VII ne sortira non pas. Non, mais, mais sérieusement, tu veux le laisser dans les 10, Final mm -hmm. Fantasy VII mm -hmm. À ce point Ah oui Ah oui oh, Arrête euh, Faut pas exagérer Écoute, Final Fantasy VII, pour moi. Attends, euh... tu vas me dire que Final Fantasy VII, c'est un jeu qui t'a plus surpris que Call of the Sea, Spirit Fairer, ouais. ah Hades. Que Call of the Sea 100 fois. Call of the Sea, c'était mignon comme histoire, c'était très joli en c'était les puzzles étaient sympas, mais voilà. On... Il... Il... Là, tu, tu es encore tu es encore à fond dessus parce qu'on l'a fait la semaine dernière, mais non, dans, dans, non, dans deux ah, mois, il sera oublié. Comme si j'étais débile quoi. Non, j'aime bien ce, ce genre de, de, de réflexion. Non, en fait, si tu veux, je vois ce que tu veux dire, on est d'accord, et peut-être que tu peux enlever Call of the Sea, mais en fait, Call of the Sea pour moi, il a, je, je trouve que en fait, la fin de Call of the Sea, l'histoire de Call of the Sea est, est vraiment vraiment bien. Mm -hmm. euh, moi, j'ai trouvé la fin un peu... Ben, en fait, ouais, ben, vous n'avez vous avez rien compris. Euh... <laughs> non. En fait, moi, ça me parle vraiment la fin, en fait. Et, et la façon d'aborder la fin, ça, ça, ça me parle vraiment parce que euh, psychologiquement, ça va coller à ce que je peux ressentir moi, personnellement. Donc forcément, ça va plus me parler qu'à quelqu'un d'autre. Euh, je trouve vraiment que l'histoire est à la fois simple et... Bien amenée, correctement faite, elle va, elle va où où il faut, mmh. euh, sans partir, dans, en, en te laissant quand même à faire un choix euh, à la fin qui est radical. Hein. Mmh. Euh, j'aime, en fait, je trouve que c'est c'est très simple comme principe et, et c'est pas un jeu qui va qui va être très très développé à ce niveau-là, mais qui est comme il faut pour moi en fait. Voilà. C'est pour ça. Mm -hmm. je, je trouve que contrairement à ce que tu penses et euh, je sais que Exerve aussi à qui on avait conseillé Call of the Sea, euh, lui aussi dit qu'il a pas trop apprécié la fin. Euh, je suis clairement pas d'accord avec vous parce que pour moi c'est, je trouve, que oui mais c'est vraiment sympa en fait. Il ouais. y a pas besoin de plus en fait, tu vois, pour moi. Non, mais bon. Mais... Bon, mais enlève Call of the Sea. Non, mais attends, il reste. Euh... Mais c'est bon, enlève Call of the Sea. À partir de là, tous les jeux qu'on enlève sont 11e éco non, mais... Oui. On <laughs> enlève Call of Duty. Allez, sea. écoute, on enlève Call of Duty euh, aussi. Il, il nous en reste deux. Euh, il nous en reste deux à enlever. Bah écoute, c'est ton tour, hein, j'en ai marre. moi. <laughs> Qu'est-ce qu'on a... Alors, attends, on en est où le, le neuvième, ton neuvième, c'était quoi C'était de Ferreur, comme toi. Spirit Ferreur. le huitième c'est quoi le, Ton huitième c'est Call of the Sea. Donc on l'a euh, enlevé. Mon huitième c'est Genshin Impact. Bah, Vire Genshin Impact, qui n'est pas dans ma liste. Bah, oui. C'est logique, Spirit Ferreur, il est, il est sur nos deux listes. Alors Spirit il mm -hmm. y avait des soucis, le jeu était long, etc. Euh, c'est quand même le seul jeu, le, le jeu, ou le seul jeu de l'année, ou en tout cas le jeu qui a, été le, qui a été le plus émouvant pour mm -hmm. nous, puisqu'on a chialé. Ouais. Hein c'est le seul jeu qui nous a fait chialer cette année. Euh, Yakuza, on n'a pas vu la fin, ça va peut-être arriver, mais. Je, Yakuza, j'ai je... déjà pleuré 12 fois, moi. Non, mais je sais, mais toi, toi tu pleures devant Animal Crossing, donc. Euh... Euh, voilà, si tu veux parler des jeux. Alors, <rire> <les> <rire> tu jeux as de pleuré liste... devant tous les jeux de ta liste, toi. Ceux qui m'ont pas fait pleurer. <laughs> non, mais voilà, Spirit Ferrer on, on l'a tous les deux. Ouais. C'est un jeu qui a été très émouvant, quand même, et qui aborde des thèmes qui sont, qui sont intéressants et originaux pour des jeux vidéo. Je, je me sens pas de l'enlever des 10, en fait. D'accord. Mais il n'y a pas question de le virer. Ben on enlève Genshin Impact, alors je pense. Ok, Genshin Impact, il s'en va. Mm. Euh, on va remonter dans, 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 dans nos listes. Donc, euh, 7, attends, mon 8, c'était Call of the Sea. Ok, mon 7, c'est quoi Ton 8, c'était Call of the Sea. Ton 7, c'est Paradise Killer. Ah non, on l'enlève pas, ça. Paradise Killer. Euh, mon 7 à moi, il est déjà parti, c'est Fly Falix. Ok. Hein, donc, euh, on se fait avoir. Nos 6 euh, sont en commun. On a Hades en 6 dans nos deux classements. D'accord, donc on peut pas l'enlever. Euh, on continue à remonter. Mon cinquième euh, est Paradise Killer. Ton cinquième est Tell Me Why. Ouais. Euh, il nous en reste un à enlever. Hein. Moi, j'enlève Final Fantasy VII, mais 100 fois là. Hein. Je suis désolé. Hein. Comparé à tous les autres, c'est tous les autres sont plus originaux et apportent penses... plus de choses que Final Fantasy VII. Vraiment. Est-ce que tu penses que tu as suffisamment joué euh, à, Call of the, à, Call of, euh, à Song of Horror pour le garder dans, dans, dans notre liste commune Eh ouais, mais ça me fait chier. C euh, je sais que c'était vraiment chier. bien, que ben, Song of Horror. Ouais, ouais, ouais c'était vraiment bien sur euh, sur, sur ce qu'on a fait. On, bon on allez, on ça a, va, ça a, va, a, ça va, ça va. On l'a pas fini. Ça va. Ça va. Ouais, c'est bon. Mais c'est c'est super quand même. Hein c'est bon, par est contre, euh, celui que je veux, tu me le mets haut, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, celui que tu veux, euh... alors. Bon, t'as enlevé... Non, c'est vrai, Song of Aurore, euh... on en reparlera peut-être l'année prochaine quand on l'aura bien, bien fait. Moi, mm -hmm. je trouve que c'est que c'est génial, mais ouais. après... Euh... Okay. Attends, moi, il était quatrième hein, pour moi, je Song sais. of Horror, hein. Et il l'est toujours dans ton classement, attends, ton classement a de la valeur. Mmh, euh... Bah oui. Donc, euh, moi je te propose qu'on regarde nos classements à tous les deux. Ouais. Euh, et ensuite on essaie d'ordonner notre liste euh, commune. Mm -hmm. Ok ton classe mm -hmm. Le classement d'Aza. Alors, roulement de tambour. Euh, je n'ai pas, pas de musique pour ça. Mais si, t'as pas son qui dit non. Ouais, si tu veux. Voilà. Aza, le classement d'Aza, jeux vidéo. <laughs> euh, les 10 meilleurs jeux d'Aza de 2020, en, du 10e au premier. Euh, donc, en 10e position, The Signifier. Mm en 9e position Spirit Ferrer. Oui. En 8e position Call of the Sea. Oui. En 7e position Paradise Killer. Oui. Euh, en 6e Hades. Oui. 5e euh, Tenmyi. Oui. Euh, en 4e tu as Song of horrors. Oui. Euh, en 3e tu as le Donjon Albuck. Oui. Et la munette du désordre. Oui. En 2e tu as Ghost euh, of Tsushima. Oui. Et en premier, tu as Yakuza Like a Dragon. Oui. Voici ton top 10 hein, avec en numéro 1 Yakuza Like a Dragon. Oui. Il y a, quel... Il y a même pas mal de jeux sur lesquels on est d'accord quand même. Hein quand même oui. hein euh, moi, mon top 10, le top 10 des jeux de l'année de, de, de ce bon vieux Ben. Euh, en 10e, The Last of Us Part 2. Oui. En neuvième, Spirit Fire. En huitième, j'ai Genshin Impact. En septième, Half-Life Alix. En sixième, Hades. En cinquième, euh, Paradise Killer. Mm -hmm. En quatrième, Final Fantasy VII Remake. Mm. Euh, en troisième, Animal Crossing, New Horizons. En deuxième, et c'est là qu'on est d'accord, en deuxième, Ghost of Tsushima. Et en premier, Yakuza, Like a Dragon. Attends, et tell me why il est où dans ta, dans ta liste Il n'y est pas. Sans déconner Il n'y est pas. Il y est... Alors, si tu veux, je peux tricher parce qu'en en, en vérité, j'ai fait un top 20. Donc, Tell Me Why, il est, il est là, mais non, il est. Ah, mais bah, d'accord, non, je pensais que. Bah, alors, on n'est vraiment pas d'accord, en fait. Il y a, on a cinq jeux en commun et c'est tout. Hein. Mm -hmm. Attends, en premier, t'as mis quoi, alors Yakuza. Ah, on est d'accord sur le premier et le deuxième On est d'accord sur le premier et le deuxième. Yakuza et Ghost of Tsushima, je pense que ça va être ça sur le classement définitif final. Déjà, c'est pas mal. Donc, déjà, je pense qu'on va. Avoir... Bon, jeu de l'année, euh, Yakuza avec le dragon. Hein, alors, déjà. on a niqué le suspense, bravo. <laughs> bravo pour le suspense. Euh, Yakuza Laka Dragon et Ghost of Tsushima, je pense qu'ils ont une place un petit peu verrouillée. Ouais. Euh, non, Tell Me Why ouais, n'est pas dans ma liste. Tell Me Why, ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était une super tell histoire. Tell Me Why ouais, n'est pas dans ta liste, mais tell putain, me, ouais, mais. Ma mais, mais putain, mais c'est pas possible. C'est une super histoire. Mais, mais... C une su... mais tu te rends pas compte, c'est la première fois qu'on parle de, de, de trans dans un jeu, quoi. Rien ouais, que pour ça, ça mais... mérite une place dans le top. Mais bien sûr, et je sais que tu apportes. Je sais. je sais. Une euh importance primordiale y a des... aux histoires des jeux. Exactement. Et moi, j'apporte une... Je sais. J'aime bien les belles histoires, ça me fait plaisir, mais j'apporte un petit peu plus d'importance à un gameplay. C'est vrai. Non, le gameplay. Tell me why. Tell me why si tu effaces les personnages et l'histoire. J'y ai déjà joué. J'ai déjà joué dans Life is Strange 2, j'ai déjà joué dans Life is Strange 1. C'est une formule. Oui, mais tu peux pas effacer l'histoire. C'est une formule. Non, tu peux pas C'est un jeu où l'histoire est. C'est l'histoire, le jeu. C'est pour ça que si tu es dans mon top 10 à un top 15, tu vas trouver Tell me why parce que c'est quand même un jeu qui m'a énormément plu cette année. Il est pas dans mon top 10. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est un Jeu, c'est un super jeu. C'est d'accord. Non, Mais... la façon dont tu parlais, je pensais qu'il était dans ton top 10. En fait, non, 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 il... non, euh... non j'ai énormément de respect pour ce jeu que j'adore. Et comme beaucoup de jeux qui sont pas dans mon classement, hein, euh, encore une fois, moi j'ai un... je, je regrette de pas avoir mis euh, bah, Tokyo Mirage Session dans mon classement. Je voulais Astros Playroom dans mon classement. Je voulais Murder by Number. Je voulais Fall Guys, Assassin's Creed, euh, Resident Evil, Tell Me Why, euh, Spider-Man. Plein de jeux que je voulais dans mon classement. Euh... Bon, ok. Et, et, je, et je me suis fait aussi violence, hein, je tiens, je tiens à, à préciser, je me suis fait violence parce que pour moi, mon jeu de l'année, euh, sans restriction, sans aucune règle, mon jeu de l'année, c'est Final Fantasy XIV. Numéro non, un. mais arrête avec ça. Non, mais j'ai be besoin Tu T'as même pas joué à l'extension le qui est sortie cette année Il y a aucune extension qui est sortie cette année. Mais bah Shadowbringer, c'est pas Non, c'est l'année d'avant, c'est plus vieux que ça. Hein. Oui ben voilà donc non, du a... coup, tu... mais justement c'est pour ça mais le jeu en 2020 sur lequel j'ai passé le plus de temps et je me suis le plus amusé c'est Final Fantasy XIV on est d'accord ah bon et eh oui ouais, et eh oui largement oui mais bon euh, on peut on peut pas on peut pas on peut pas et, et, tu, et tu parles de jeux qui m'ont fait pleurer euh, fin, Final Fantasy XIV encore hein. ah bon et eh oui, oh, eh oui oui non, non. Tu pleures facilement toi hein, oh, bah écoute hein, c'est <laughs> oui c'est vrai J'ai l'air positif comme ça mais je suis malheureux hein. <laughs> non t'es t... es trop sensible <laughs> Donc... Euh... Bon, ok, donc euh, Yakuza en premier. Ouais, ouais, ouais. Yakuza et Ghost of Tsushima on est d'accord Ghost of Tsushima. Euh, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré le Donjon d'Albuck Alors je je, et, 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 je comprends que ce soit... assez Moi c'est un, un, un jeu qui, qui n'approche pas mon top 20. Mais tu n'y as. Putain, ça, ça me. Mais j'y ai pas joué parce tu que j'ai aucune, de... aucune envie. Parce que j'ai aucune envie d'y jouer. J'avais fait le premier, les premiers chapitres, euh, ça ne ça, ça m'avait pas plu. Le côté tactique ne m'avait pas plu. Euh, L'histoire euh, me. Voilà, c'est pas. C'est pas, pas, pas mon truc, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. ça ne veut pas dire que c'est nul, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est un jeu qui est, qui est clairement destiné aux, aux fans du, don, du donjon album. Absolument pas d'accord avec toi. Euh... Okay. C'est un jeu qui est. En jeu tactique, il euh, y a mieux. Je pense pas. D'accord. Je suis je... désolé de te contredire. Je, je ne pense pas qu'il y ait mieux en jeu tactique. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'équilibrage les, 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 des combats est pas top. Et je t'ai vu, je t'ai vu pester, je t'ai vu râler sur, sur des trucs déséquilibrés. Avec... Comment ça, pas sur des trucs déséquilibrés Bah si, 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 sur des combats que tu arrivais pas à faire parce que. Mais parce que c'était difficile. Hein. Ouais, mais c'est difficile. Pourquoi Parce que les les, je sais pas. Et ma foi. Moi, franchement, l'aspect tactique du jeu m'a beaucoup plu. Mmh. Je trouve que vraiment c'était intéressant. Euh, après l'aspect, évidemment, dont Journal Pug me plaît be beaucoup aussi, parce que je suis super fan. Ouais. Et je trouve que vraiment, c'est un jeu qui... J'en sais rien, c'est un super jeu français, en plus, qui garde le... Français, moi, le jeu, ça rentre pas dans le... Non, mais je veux dire qu'il garde... Un... Quelque chose qui est important pour moi de la culture française, qui est le donjon de ouais, bon, voilà. okay. et, et je trouve que c'est un jeu qui, à la fois, s'adresse aux fans et à la fois, fois c'est un bon jeu technique. Un bon jeu tactique. Donc. Euh... Est-ce que. Bon, écoute, après. Le top 10, il est verrouillé, là. Il sortira pas du top 10. Ah hein, non, il euh, sort pas du sûr. top 10, ça, c'est sûr, hein. Moi, je te propose de parler, de voir le placement euh, plus ou moins définitif du prochain jeu qu'on a en commun sur ces, sur ces listes, mm. c'est Hades. Ben bah, Hades, mets-le en 3, et puis voilà. Hein. Non, mais euh, je ne je veux, veux pas le mettre en 3 par dépit, quoi. Ah mais oui, mais moi, Final Fantasy VII, tu me le mets en dernier. Hein. Je ne comprends pas qu'on puisse dire que Final Fantasy VII, ça fait partie des 10 meilleurs jeux de l'année. Je ne comprends pas. C'est très sympa, c'est mignon. En plus, c'est un remake, donc ça va, c'est le même jeu. Ouais, mais c'est un remake. On va, on va pas spoiler la fin, mais c'est un remake qui, qui. On comprend rien à la fin. Il a fallu aller regarder sur internet pour savoir ce que ça voulait dire. On pipe rien à la fin de Final Fantasy VII. Tu vas pas me dire que ça, c'est pas un problème. On comprend pas. Je dis pas qu'il est parfait. Je dis pas qu'il est, est pas premier sur ma liste. Hein, mais, euh, mais franchement, je est ça... quatrième, ça va, ouais. Hein je... Ouais, bah ça va, ouais. Ouais ouais. Mais bah, écoute, ça me fait de la peine les, parce que j'ai trouvé les combats j'ai trouvé les combats vraiment intéressants, j'ai trouvé euh, l'histoire intéressante. Trouver l'histoire qui apporte vraiment beaucoup de choses aux gens qui connaissent l'histoire de Final Fantasy VII par cœur, en prenant des choses à contre-pied, euh, c'est. Voilà. Alors, il y a, y, a y a un facteur de nostalgie, forcément. Hein, et euh... oui, mais voilà, toi, tu prends en compte ton facteur de nostalgie. Par contre, moi, j'ai été obligé de dégager euh, Song of Horror, alors que j'adore les jeux d'horreur et que oui, vraiment, oui. c'est super. Mais... C'est vraiment mon truc. Et il va falloir que, que je mette Nalbuck tout à la fin, parce que. Voilà. Tu n'as pas le mettre tout à la fin. Donc, euh, non, je ne je suis pas, pas d'accord. Je suis pas contente. Je te dis pas Je de. Suis mettre... bah, okay. <laughs> bon, ben bah, en 3, on met Hades. En 3, on va mettre Hades. Voilà, parce que là on est d'accord tous les deux, c'est un super jeu. Donc, euh... mm -hmm. Ou alors si tu veux, en 3 on met Paradise Killer. Euh... Non, on a Paradise Killer avant Hades en commun. Non, Paradise Killer est plus bas pour toi comme pour moi. Ah non, pour toi il est. Paradise Killer il est plus bas pour toi. Ouais, mais tu peux le mettre au-dessus. Hein. Mais il est plus haut pour moi. Tu peux mettre euh, Paradise Killer avant Hades, ça me dérange pas. D'accord. Ouais, Paradise Killer. Euh... C'était vraiment exceptionnel. Hein, vraiment... Après, euh, Paradise Killer, il y a le côté surprise du truc. Hein. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Et encore une fois, je répète, c'est un jeu qui est. Je sais pas ce qui a touché une corde sensible parce que objectivement, il est moche. Euh, il, il, moche. Est... Il, est... Il, est... il est basique. C'est un, un, un tout petit jeu. C'est un tout petit jeu indépendant fait par un tout petit développeur. Il n'y a aucune, aucune promo, rien du tout. Personne ne mmh. le connaît. Mais euh, voilà, on a, on a vraiment adoré. Hades euh, euh, écoute euh... <laughs> organise comme tu veux. Non mais tu euh... Non mais pour Hades et Paradise Killer, ouais, c'est bon okay. Est-ce que est-ce que ensuite je m'inspire de Firewr Oui. Là là on est plutôt d'accord euh, et ensuite on va on va arriver euh... ensuite tu mets Nalbuck, je je veux pas plus bas. Entre <laughs> un, entre entre Nalbuck et Telmiway. Ah. Bon, mets Telmiwai. Me je mets tell me euh, why Je sais pas. Et eh non, j'ai Nalbuck devant quand même. Ouais, mais bon. Tell me why, je te soutiens beaucoup plus que... Bon, ben, mets Why, alors. Que, que, que Nalbuck. Euh... Je m'en fous, tu mets Final Fantasy 7 après Nalbuck, on est d'accord. Hein. Alors, je te propose... J'ai fait trop de concessions. Je là. te propose une dernière... Con... Non, 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 non je, je concède non. que dalle, c'est fini. Je te propose un <laughs> dernier échange. <laughs> Je te mets Final euh, Fantasy VII en dessous de Nail Buck. Ouais. Si. Ouais. On met Animal Crossing au-dessus. D'accord. On est d'accord Oui. Euh, et, et Animal Crossing au-dessus de Tammy Wai Non. Non Oh, ça va. cornio <laughs> contre. Eh oui. cornio contre un personnage tra transgenre, quoi. Ouais, qui s'appelle Voilà. Donc, <rire> <rire> Attends, C'est vrai, je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Kyle, non c'est pas ça? Non, certainement pas. <laughs> c'est pas ça? Aucun <laughs> intérêt, je sais pas. Non, je sais pas comment s'appellent les personnages. Voilà, c'est. <laughs> s'appelle pas Kyle? Non. Mais non. Non non. Euh, mais putain, je, 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 ça va me revenir mais ouais, ça bah fait écoute, longtemps. Tu m'appelles? À, ch à chaque fois que tu oublies, <laughs> tout le temps que tu passes. Euh... Voilà, donc. <laughs> je me rappelle pas. Voilà, donc Cornio est en train de gagner. Hein. <laughs> Non. Si dans 10 secondes tu t'en rappelles pas, Corneau passe devant. Et vrai. Tom Nook passe devant. Mais Tom Nook, non mais arrête. Euh... Tom Nook t'a arnaqué et, et il passe devant. Euh, Alison et Tyler. Mais euh... ben voilà, Kyle, Tyler, ça va, c'est pareil. Mais je rêve. Hein Kyle et Tyler, c'est pareil. Ben ça re... Attends, ça se ressemble pas je, je, je suis un peu dyslexique, hein, donc franchement, ça se ressemble. Il n'y a aucune lettre en commun, donc non. Il y a trois lettres en commun Y, L, E. Ah, ça non mais tu te f... Non mais c'est pas possible Hasard. Hein. J'en peux plus de toi. Tu m'agaces. Hein. On a terminé. <laughs> on a terminé. Arrête de t'énerver, c'est mais... fini. C'est fini. Tu on... m'as trop énervé. On a un top 10. <laughs> on a un top 10. Ça y est, c'est verrouillé. Je pleurais, dit. Tu, tu peux pleurer. Euh, on n'aura plus à revivre ça jusqu'à l'année prochaine. <laughs> Allez, vas-y. Quel est le top 10 de la Belle Gamer 2020 En dixième position. Final Fantasy 7 remake. Okay. En 9e position, le Dungeon Albuck, la 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 lumette du désordre. En 8e position, Animal Crossing New Horizon. En 7e position, Tell Me Why. Uh -huh. En 6e position. Non. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. J'ai merdé. <rire> <rire> On a perdu. <rire> <rire> Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui, euh, qu qui se euh, passe euh, 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 Tell Me Why, Hades. Paradise Killer, c'est 3. Ouais, ouais, ouais. Non, mais écoute, ils nous font un dixième. Hein. Mais comment ça ben, Je sais pas, on en a trop viré. Comment c'est possible Attends, Yakuza, <rire> ok. Ghost of Tsushima, ok. Euh, Alan on l'a. Euh, Tell on l'a. Hades, on l'a. Paradise Killer. Il y a Spirit Ferrer, quelque part que t'as. Ah, a... c'est Spirit Ferrer qui a, qui a disparu. Mm -hmm. euh, ah! Attends, Donc, Spirit fait... Ferrer on le met où euh, Spirit Ferrer. Allez, je le prends. Effectivement, c'est Spirit Ferrer qui, qui manque. Euh, il était commun à nos deux listes. Dans... Ah, mais si, il y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non, il y est avec Spirit Faireur. Il y est. Attends, Spirit Ferrer, c'est devant Tell Me Why euh, Ouais, juste devant. Euh, mais il y est. Euh... Ok. okay. Euh, donc il nous faut un de plus donc, il nous faut un... Repêche uh, Song of Horror. Alors rien Yakuza Link Dragon, Ghost of Tsushima, euh, Donjonal Buck, Song of Horror, Tell Me Why, Hades, euh, Paradise Killer, Call of the Sea, Spirit Fire, Signifier. Ok. Yakuza 1, hein, Animal Crossing, il y est. Euh, FF7, il y est. Paradise Killer, Hades. Euh... Song of Horror Song of Horror ou The Last of Us, comme tu veux, mais plutôt Song of Horror. Hein. Moi j'adore. Même Song of Horror, j'en ai marre. Allez, c'est bon, j'en ai marre là. Allez. Mais... J'en je... peux plus Calme-toi. Song Calme of <laughs> Horror, il était quatrième dans ma liste, tu me l'as viré comme un malpropre. Je, je sens qu'on a oublié un truc, je sens qu'il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé à un moment donné. Mais c'est quoi ta liste, perso alors, ma liste, Yakuza, Ghost of Tsushima, euh, Animal Crossing, ff stream Remake, Paradise Killer, Hades, Half-Life Genshin Impact, Fire, The Last of Us 2. Donc, de, de bon? mes jeux, il y en a trois qui ont disparu, c'est Half-Life Genshin Impact et The Last of Us 2. Ouais. De tes jeux à toi, il y en a deux qui ont disparu, Signifier et Call of the Sea, tout le reste dans la liste. Donc, Arrête, euh, tu m'en si. as fait virer 250 Yakuza Lekka Dragon, Ghost of Tsushima, Nilebuck, Song of Horror, Tell Me Why, Hades, Paradise Killer, Call of the Sea, Spirit Fire et Signifier. Donc t'as bien réussi ton coup, il n'y a que Call of the ouais, Sea et Signifier qui ne sont pas dedans. C'est ça. Si on ça. remet... Euh... Bah, mais The Last of Us alors, c'est ça que je te dis. Tu, tu, tu serais plus d'accord... Euh... Non, je ne suis pas d'accord, mais Song of Horror, pour moi, c'est vraiment un super jeu, mais je comprends que ce soit personnel d'aimer les jeux d'horreur, donc je comprends qu'on mette euh, un autre jeu à la place. C'est un excellent jeu d'horreur, euh, Song of Horror. Et, et Parce que The Last of Us 2, t'as quand même plus. Ouais, tu peux mettre The Last of Us 2. On est plus d'accord pour, pour un consensus euh... Oui. Donc, en dixième position, The Last of Us 2. Mm. En neuvième, FF7 Remake. Mm. En huitième, Nihal Buck, La Milieu du Désordre. Mm. En septième, Animal Crossing, New Horizon. En sixième, Tell Me Why. En cinquième Spirit Farer, en quatrième Hades, en troisième Paradise Killer, en second Ghost of Tsushima et en premier Yakuza Like a Dragon. D'accord, ça me va. Est-ce que ça te fait un bon classement Oui. Est-ce que non est... ça va Toi t'en as sacrifié deux, moi j'en ai sacrifié deux. c'est plutôt équitable. Ouais, oh non, c'est ça. On, on, écoute, on, 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 on est, on est équitable, Je suis équit est énervé. je suis énervé. Parce que pour nos auditeurs, cet épisode est fini, mais pour moi, la soirée <laughs> ne fait que commencer. Non, ça va, ça va. C'est équitable. On a, on, a, on a fait. Donc, vas-y, redis-moi. The Last of Us 2. Euh... Final Fantasy 7 The Last of Us 2. Alors, du, du top au dernier. En numéro 1. Yakuza, si tu veux, Numéro un Yakuza. Numéro 2, Ghost of Tsushima. Mm. Numéro 3, Paradise Killer. Mm. Numéro 4, Hades. Mm. Numéro 5, Spirit mm. Numéro 6, Tell Me Why. Mm. Numéro 7, Animal Crossing. Mm. Numéro 8, euh, Le Donjon de la minuette du désordre. Mm. Numéro 9, Final Fantasy Remake. Mm. Numéro 10, The Last of Us Part 2. Ok. Ok C'est bon. Bon, très bien. Donc voilà, euh, les insultes euh, sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, sur le, Twitch, comme d'habitude, sur le Discord. Vous comme Vous savez où nous trouver. <laughs> euh, allez, c'est la fin de cet épisode. On n'a pas d'Azat TV cette semaine. On est un petit peu, on est l'épisode est un petit peu plein. Pas de sortie non plus. Il se passe rien cette semaine. Hein. Il n'y a rien qui sort. Ne cherchez pas. Euh, c'est la fin de cet épisode. C'est tout pour la belle gamer pour l'année 2020. Ouais. Euh, N'hésitez pas à, à venir nous faire jouer un coucou. À yakuza. Ouais, à yakuza à tous et euh, venez nous faire euh, un petit coucou sur euh, sur nos réseaux sociaux, sur euh, notre serveur Discord. Mm. Venez nous voir en stream. On fera peut-être un stream cette semaine. On n'a pas encore décidé du, du jour exact, mais euh, ça sera annoncé sur Twitter, ça sera annoncé sur Facebook et ça sera annoncé sur Discord. Mm. Euh, tous les liens pour nous rejoindre sont dans les notes de cet épisode. Venez, venez tous euh, et surtout passez euh, une excellente toute fin d'année 2020. Ouais. Un très bon réveillon. Euh, faites attention à vous et on se retrouve. Et euh... n'oubliez pas d'écouter les chroniques de l'étrange. Écoutez les chroniques de l'étrange au coin du feu le 31 au soir, c'est parfait. Ouais. Et, euh, et on se retrouve, si vous le voulez bien, en 2021. C'est ouais. le futur.